Bonjour, comment ça marche? Ça marche pas non plus. Ouais, très bien. Ah, ça marche. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je propose qu'on démarre. Bienvenue à Océanopolis. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui et ravis d'accueillir cette semaine le pavillon du One Ocean Summit pour le grand public. Donc, comme vous le savez, Océanopolis est un centre national de culture scientifique dédié à l'océan. Donc, on est ravis d'être acteurs et contributeurs à ce moment important qui se passe cette semaine à Brest, avec plein de sujets cruciaux et passionnants. Donc, première conférence aujourd'hui, avec toute une succession d'événements jusqu'à vendredi. Donc, je vais laisser la parole à Céline Miret, qui est la directrice scientifique d'Océanopolis et qui a bâti ce programme assez exceptionnel cette semaine. À toi, Céline. Merci Nathalie. Alors bienvenue à toutes et à tous et puis bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne hein, et qui pourront découvrir la richesse en fait de cette conférence, des regards croisés en fait sur la science, la société et l'océan. On a voulu cette conférence avec le Muséum national d'histoire naturelle pour vraiment montrer l'importance finalement de la recherche scientifique, mais aussi surtout en tant que centre de culture scientifique, évidemment, du partage de cette connaissance, de la nécessité, en fait, de sensibiliser hein, le plus grand nombre aux enjeux de l'océan, à son importance et à son rôle, en fait, de la vie, tout simplement, sur Terre. Et donc, vous allez voir, pendant les 2 heures qui vont suivre, on va faire un petit tour du monde. Alors, on a indiqué, le titre, c'est « Océan, science, société ». Évidemment, de la connaissance à l'engagement citoyen, mais c'est aussi de la Bretagne au pôle. Donc, on va vous faire voyager, vous montrer que, quelle que soit la culture, quel que soit le lieu, en fait, où on habite, on a une relation à l'océan. Et cette relation, en fait, elle s'appuie aussi sur les connaissances. Et ces connaissances, en fait, elles sont partagées également au sein des communautés. Et ça, c'est ce qui fait aussi un socle essentiel pour ensuite s'engager hein, et faire en sorte que finalement on préserve cet écosystème essentiel à la vie sur Terre. Je vous souhaite une belle conférence et surtout profitez de ce moment d'échange pour poser toutes les questions, voilà, tout ce que vous avez envie de connaître. Vous êtes curieux, vous avez envie de savoir ce pourquoi on a parlé de tel sujet, n'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues. Je vous souhaite une belle conférence et à plus tard. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être en direct depuis l'auditorium d'Océanopolis à Brest. Je suis Olivier Carr, journaliste, rédacteur en chef du pôle numérique de C'est Avenir, Science et Avenir, qui est ce journal vulgarisation scientifique mensuel qui existe maintenant depuis bien des années et qui s'est doté une petite décennie déjà, d'un site web quotidien qui cartographie tous les jours l'actualité des sciences. Alors c'est un site privilégié pour voir l'actualité des océans, l'actualité de la planète. Aussi, j'ai été ravi quand Océanopolis et le Muséum National d'Histoire Naturelle m'ont proposé de faire l'animation de cet après-midi d'échange. On est ensemble pendant 2 heures. Pendant 2 heures, on va discuter le temps de 3 tables rondes de la question du partage scientifique, hein, de la façon dont la connaissance scientifique se constitue, comment les scientifiques travaillent et comment leur connaissance est diffusée auprès du plus grand public. Ce propos, on va le voir au travers de 3 tables rondes. Pour la première d'entre elles, on va s'attacher à 4 exemples particuliers autour de 4 sites.
Vous le verrez, on va faire le tour du monde, on va aller en Afrique, on va aller aux Marquises, on va rester un peu du côté de Brest avec des études qui sont faites par des scientifiques de la région, mais qui vont nous amener aussi également assez loin. Alors pour cette première table ronde, j'ai le plaisir d'être avec des gens sur place dans l'auditorium d'Océanopolis, mais d'autres qui seront en visio. Alors sur place, je suis avec Frédéric Schluss, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'anthropologie au Muséum national d'histoire naturelle et on va voir que le travail que vous avez mené va nous conduire sur les traces de Jacques Brel, comme je vous disais lors de notre entretien téléphonique, on va aller aux Marquises. Je suis aussi avec Nadia Améziane. Bonjour. Bonjour Nadia, vous êtes chef de la station marine de Concarneau, tout près d'ici, et vous allez nous parler d'un projet dans le cadre duquel des scientifiques de Concarneau travaillent sur la question de l'alimentation des populations inuites. On va voir ça. En visio, nous sommes avec deux autres invités. Alors, il y a Sandrine Job. Alors, la communication avec Sandrine Job est un petit peu périlleuse parce qu'elle est en Nouvelle-Calédonie et il y a une alerte cyclonique. Alors, Guy, Didier, l'équipe de la technique a fait des tests tout à l'heure. Ça semble bien marcher. J'espère qu'on pourra être avec Sandrine Job. Sandrine, elle est biologiste marin, fondatrice de l'association Paladalic. Elle est dirigeante de l'entreprise Cortex et elle travaille sur les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie. Voilà, je la vois. On est également en direct depuis le Bénin avec Ebenezer Oudjinou qui travaille sur la question des mangroves. Ebenezer Oudjinou, il est directeur de l'ONG CORD, CORD comme coordination pour la recherche et le développement des environnements. Et c'est un ingénieur en environnement spécialiste des zones humides. Alors, on va voir, vous voyez déjà, vous avez vu des images qui ont tourné en boucle derrière nous et qui prendront l'entièreté du player vidéo sur la page YouTube d'Océanopolis, puisque vous nous suivez depuis la page YouTube d'Océanopolis. Et ces images, on fera des petits focus de temps en temps parce qu'elles illustrent les travaux de nos invités. Toutes ces tables rondes, tous ces échanges vont durer une demi-heure. À l'issue de notre discussion, on prendra des questions de la salle. Il y aura 10 minutes de questions de la salle. Les questions que vous allez nous poser, vous qui êtes avec nous là dans l'auditorium d'Océanopolis à Brest, mais aussi des questions qui viendront du web, puisque vous nous regardez sur YouTube, et vous pouvez poser les questions en direct sur Internet. Alors, on va rentrer peut-être directement dans le vif du sujet. Frédéric Schluss, j'ai utilisé quelques mots-clés, comme on dit sur le web. On a parlé des Marquises. Et c'est un travail très intéressant que vous avez mené aux Marquises sur la question de la biodiversité, de la perte de biodiversité. Mais vous avez travaillé en collaboration étroite avec les gens qui vivent là-bas. Et vous m'avez dit quelque chose que j'ai trouvé très frappant, c'est que quand une espèce de poisson disparaît, ce n'est pas simplement le poisson qui disparaît. Il y a tout un pan de la culture. Oui, effectivement, on a mené un programme de recherche participatif avec la population marquienne. Donc là, quelques images des Marquises déroulent en même temps. Il faut savoir que l'archipel des Marquises est l'archipel le plus éloigné de tout continent au monde, qu'il y a 6 îles habitées, environ 9000 personnes sur les 6 îles qui se répartissent grosso modo entre 26 vallées ou villages. Donc un peuple marquisien très, très fort de sa culture, peuple de l'océan, les hommes de l'océan, hommes et femmes de l'océan. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre les relations que cette population tissait avec le milieu marin. Et effectivement, c'est un milieu qu'ils connaissent très bien. C'est un milieu qui est vu de manière différente d'une autre, un milieu qui relie. C'est un océan d'îles. Et c'est un joli terme de Epeli Aofa, un penseur polynésien. Et quand on travaillait avec eux, on voyait bien que à chaque fois qu'on parlait d'une espèce de poisson ou de crustacé, derrière il y avait un mot dans une langue, le marquisien, puisqu'il y a une langue marquisienne qui est encore parlée très fortement. Il y avait derrière des techniques de pêche, il y avait donc tous ces savoirs de pêche, savoir naviguer pour aller au lieu où se trouvaient les poissons. Et tout ça, ça disparaît. Le mot disparaît, la technique de pêche, la recette de cuisine, elle disparaît. La recette de cuisine, les techniques médicinales aussi, les contes et légendes, les chants
autour d'un poisson ou d'une espèce. Et effectivement, si l'espèce disparaît, c'est un pan de la culture qui risque aussi de disparaître. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont vous travaillez en collaboration avec les populations locales. Ce n'est pas un savoir scientifique qui tombe du ciel comme ça et que les gens sur le terrain devraient subir. Alors, c'est difficile en étant anthropologue d'avoir un scientifique qui tombe du ciel. C'est évidemment la rencontre des populations avec toutes les connaissances, compétences qu'ils ont, qui nous permettent de construire ce savoir. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait participer l'ensemble de la population marquisienne, puisqu'on s'est déplacé de vallée en vallée sur différentes missions. Et on leur a demandé, à partir autour de cartes, c'était de la cartographie participative, de situer l'ensemble des endroits où il y avait un lien avec la mer. Ça pouvait être aussi bien des lieux de pêche que des lieux où il y avait des recettes de cuisine particulières, ou encore des lieux où on va chercher des coraux ou des pierres qui vont orner des lieux sacrés et qui permettent, voilà, de construire toujours ce lien à la mer. Alors, quand on parle d'un lieu comme les Marquises, on peut l'associer, pour qu'il n'y ait jamais allé, hein, à des images sous-marines extraordinaires de coraux. Les coraux, c'est justement ce sur quoi travaille Sandrine Job. Je disais que Sandrine, elle est en visio avec nous. Elle est en Nouvelle-Calédonie. Et depuis 2011, elle a une démarche très impliquante auprès du public, qui consiste à aller voir l'état des coraux et aller les voir régulièrement pour voir quelle est leur évolution. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous procédez, Sandrine ? Alors là, moi, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si à la technique... Ah, ça y est. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci de votre invitation. Donc, j'ai déjà une double casquette, puisque je travaille à la fois dans le domaine du privé, donc en tant que gérante d'une société bureau d'études, mais également, effectivement, en 2011, j'ai créé cette association, l'association Paladalique, puisque j'estimais que, justement, au travers du travail dans le domaine du privé, je n'arrivais pas à couvrir certains aspects qui me semblaient indispensables. Et donc, ces aspects sont l'éducation, la sensibilisation à l'environnement et le fait de pouvoir, en fait, faire participer les citoyens à la science. Donc, j'ai hérité en 2009 de ce réseau d'observation des récifs de Nouvelle-Calédonie, qui comprenait à l'époque 25 récifs qui étaient suivis annuellement. Je me suis vite rendu compte, en fait, que ce petit réseau qui avait tout le mérite d'exister, mais qui était fait, dont les méthodes étaient très simples, avait vraiment la possibilité de se développer au sein de la société, puisque avec un minimum de formation et d'encadrement, tout le monde peut participer. Voilà, donc à l'heure actuelle, 12 ans après, on a augmenté à 90 récifs suivis tous les ans, avec plus d'une centaine d'observateurs, donc tout le monde utilise exactement la même méthode. C'est à l'heure actuelle le seul réseau d'observation pérenne et homogène à l'échelle du territoire. Je rappelle quand même que la Nouvelle-Calédonie est un des plus grands ensembles coralliens au monde, juste derrière des ensembles tels que l'Australie. On a une biodiversité qui est exceptionnelle. On est très préservé de grandes sources de perturbations telles que les blanchissements coralliens ou d'autres types de perturbations, même, bon, c'est vrai que là, il y a un cyclone en ce moment, mais de manière générale, on a quand même aussi peu de perturbations. Donc, vous voyez, on est vraiment dans un lieu exceptionnel au niveau de la biodiversité, mais il y a également très, très peu de monde, d'où la nécessité de faire participer tout un chacun qui souhaite s'impliquer pour faire avancer les choses à son niveau. Sandrine, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment les gens qui participent à vos plongées peuvent mettre la main à la pâte? Il faut être sous l'eau avec quoi, un double décimètre pour mesurer la taille des coraux? Il faut prendre des photos? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Alors, on a une méthode qui est standardisée. Beaucoup de gens la connaissent sous le nom de Reef Check, puisque c'est un réseau qui existe depuis 25 ans. Donc, en Calédonie, on a adapté ces méthodes-là au territoire. En fait, on a déjà des listes d'espèces cibles, donc on ne va pas
Il y a environ 20 000 espèces marines hein, dans le lagon de Nouvelle-Calédonie. Donc, nous, on va en suivre allez, une cinquantaine parce qu'elles ont un rôle très précis sur le fonctionnement du récif. Et grâce à ce petit nombre d'espèces, déjà, ça nous donne une idée de la santé du récif. Donc, ça, c'est la première chose. Déjà, il faut que les méthodes soient suffisamment simples. Après, il y a une formation et il y a un accompagnement tout au long des plongées. Donc, ensuite, on est sous l'eau. J'ai vu quelques images de nos suivis aux îles Loyauté tout à l'heure. Donc oui, Guy à la technique va peut-être pouvoir nous remontrer certaines des séquences que vous nous avez envoyées, Sandrine, où on voit ces plongées. C'est ça. Donc, on a un grand décamètre. On met 100 mètres de décamètre de chantier sous l'eau. Et autour de ce décamètre, on va à la fois recenser ce qu'on appelle les habitats. Donc, c'est tout ce qui va être collé au fond marin. Donc, ça va être effectivement les coraux durs, les coraux mous, les algues, les éponges, également le sable, hein, parce qu'il y a des espèces qui vivent dans le sable, des roches, etc. On va recenser ce qu'on appelle les invertébrés, donc tout ce qui est bénitier, oursin, holothurie. Voilà, donc ce sont des espèces qui donnent une bonne indication sur la santé des récifs. Et enfin, on recense les poissons. On a rajouté quelques petites, puisqu'on parle ce soir de science, on a rajouté ces dernières années quelques indications qui sont faciles à récolter et qui apportent énormément en termes de science. Ce sont donc le recrutement corallien, donc l'arrivée de nouveaux coraux sur le récif, donc on les comptabilise. Donc ça donne une idée de la dynamique en fait de ce peuplement, savoir est-ce qu'il se régénère, est-ce qu'il est vieillissant. Et on rajoute également l'inventaire des maladies des coraux. Et ça, on partage ces données avec l'ensemble du public calédonien, mais également avec tout un nombre de scientifiques qui sont intéressés par les données. Alors, on reviendra hein, sur cet environnement des coraux plus tard dans cette table ronde, mais là, j'aime qu'on aille visiter un autre écosystème qui est cette interface entre la rivière et la forêt que sont les mangroves. Ebenezer Unjuni, vous travaillez sur les mangroves au Bénin, mais pas simplement au Bénin, et vous travaillez sur la question de leur préservation. Parce que, d'abord, les mangroves, c'est un écosystème extraordinaire qui est très important dans l'usage que peuvent en faire les populations humaines. Hein. On va y trouver à manger, on va y trouver plein de choses à récolter, et c'est aussi un écosystème en danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Ebenezer ? Oui, effectivement. Bonsoir tout le monde. Et pour vous reprendre, j'ai dit que les mangroves sont les écosystèmes les plus productifs de la planète. Ça, c'est pour résumer un peu tout ce que vous avez dit sur cet écosystème. En même temps, très productif, mais très fragile également. Alors, la population au sud du Bénin ont longtemps utilisé ces mangroves, les palétuviers, pour des systèmes de pêcherie développés traditionnellement, que nous appelons Acadia. Au niveau du Bénin, au niveau du sud ou est du pays, les populations ont carrément détruit tout cet écosystème de mangrove pour construire ce système de pêcherie durant des années. Alors quand on s'est réveillé, nous avons décidé de préserver le peu qui existe. On s'est alors rabattu sur le sud-ouest du Bénin qui a quand même gardé plus ou moins une bonne partie de cet écosystème-là. Mais Ebenezer, vous voulez dire que certains sites de mangroves ont déjà atteint le point de non-retour ? On ne peut plus les sauver ? Exactement. On ne peut plus rien faire. Quand vous prenez le sud-est du Bénin, il y a des zones où c'est carrément impossible de faire de la restauration parce que le biotope a totalement été changé et avec le système de fragmentation et tout le reste, on ne peut plus rien faire. Et c'est ça que nous allons expliquer tout à l'heure au niveau du côté ouest du pays, où nous avons quand même aussi des poches de dégradation. Et là, la science, on est en train de mettre en place un système qui permet à la science d'aider à la restauration de ces écosystèmes de mangroves, de ces poches dégradées d'écosystèmes de mangroves. Concrètement, comment ça se passe ? C'est une coopération que nous avons développée avec le Mexique. Le Mexique, vous connaissez, c'est un pays qui a longtemps développer une expertise dans le domaine collé à la science pour restaurer des écosystèmes de mangroves. Et là, dans la commune de Ouida, sur le site Ramsar 10-17 au Bénin, nous avons identifié un site pilote qui nous a permis de faire un suivi scientifique, un monitoring sur près d'un an, où nous avons mesuré les paramètres physico-chimiques au niveau de ce site.
où ces paramètres nous ont réellement permis de voir que le site est vraiment dégradé en la comparant à un site de référence où la mangrove est en état intact. Donc, vous voyez, l'approche scientifique qu'on met en place, c'est de prendre un site de référence où vous placez des piézomètres, c'est des tubes où on arrive à prendre des mesures, des paramètres physico-chimiques, et vous installez aussi ces tubes-là au niveau du site où c'est complètement dégradé. Vous prenez les mesures et après vous comparez. Et là, en comparant, on se rend compte vraiment que le site est vraiment dégradé et naturellement, ce site-là ne peut pas être restauré. Donc, il faut l'accompagner. Et en l'accompagnant, c'est en comparant ces mesures, de construire des canaux pour ramener de l'eau sur le site et faire revenir les paramètres physico-chimiques à la normale. C'est une solution qui consiste donc à construire des canaux pour alimenter en eau ces poches de dégradation. C'est une solution qui a déjà porté ses fruits. Vous avez vu une évolution positive de certains sites ? Bien sûr. Le site pilote que nous avons eu à Ouida, dans la commune d'Ouida, au sud-ouest du Bénin, depuis 3 ans maintenant, ça a donné des fruits et les plants grandissent correctement. Et c'est la première fois que nous avons pu mettre en place cette technique en Afrique de l'Ouest qu'on appelle restauration hydrologique des mangroves. Parce que quand le site est dégradé, c'est que l'eau, le flux et le reflux, en fait, ce qui permet à une mangrove d'être en bon état de conservation et de fonctionner, c'est ce flux et reflux d'eau chaque fois qui doit pouvoir venir alimenter ces zones-là. Alors, quand c'est fragmenté et que l'eau ne peut plus remonter, il va falloir trouver le moyen de faire revenir l'eau pour permettre ce flux et reflux. Et c'est ça que nous avons pu faire à travers la construction des canaux qui permet d'alimenter de façon interstitielle ce site. Et après, on procède au reboisement. Donc voilà ce que la science, au niveau pour le cas du Bénin, nous a permis de faire. Et d'autres sites pilotes sont aujourd'hui en cours de mise en œuvre pour dupliquer et répliquer cette technique-là à une échelle beaucoup plus large. Alors, comme l'expliquait Benazer Oudjouni, le cas des mangroves du Bénin, c'est le cas d'un lieu, d'un écosystème dans lequel les populations locales peuvent trouver de quoi se nourrir. Il y a une autre question liée à l'alimentation qui fait l'objet d'une étude dont on va parler maintenant. Alors, retour à Brest, retour à l'auditorium d'Océanopolis. Je suis avec Nadia Améziane, je disais chef de la station marine de Concarneau. Et il y a des scientifiques de Concarneau, notamment Guillaume Massé, qui est chercheur CNRS, qui travaille en étroite collaboration avec des scientifiques québécois, notamment Mélanie Lémire, sur la question de l'alimentation de la population inuite. Oui, tout à fait. L'objectif de... Alors là aussi, on voit quelques images. Voilà, du projet, on voit les belugas. L'objectif du projet, c'est d'évaluer les risques et les bénéfices de l'alimentation traditionnelle chez les Inuits. Il faut savoir que les Inuits chassent le caribou, mais ce sont surtout des pêcheurs. Ils vont pêcher le beluga, le morse, le phoque, un poisson, l'ombre, qui est un salmonidé. Et puis, ils vont aussi se nourrir de petites baies, quand c'est l'époque. Donc, une alimentation variée, mais adaptée aux conditions extrêmes dans lesquelles vivent ces populations. Alors là, il faut situer un peu, on est au nord du Québec. Je suis désolée, j'ai ma petite au Nunavik, qui est une région au nord du Québec, où on a des populations d'Inuits. Et ce projet est donc co-construit entre les scientifiques et ces populations-là. C'est-à-dire qu'on est parti de questions que se posaient les Inuits, notamment les médecins Inuit s'était aperçu, quand il faisait des analyses de sang, qu'il y avait beaucoup de mercure. Il y a les plus hauts taux de mercure dans le sang des Inuits. Il y a beaucoup de sélénium aussi. Et la question s'est posée de savoir d'où venaient ces polluants. Et il s'avère qu'ils viennent essentiellement des produits de la mer, tous ces prédateurs. En fait, que ce soit le phoque, le morse ou le beluga sont des prédateurs supérieurs, c'est-à-dire qu'ils arrivent en fin de chaîne du réseau trophique et ils accumulent
tous ces polluants. C'est le coup de la classique pyramide alimentaire. Hein. Il y a peu de mercure et de sélénium chez les tout petits organismes qui sont tout en bas, mais ce phénomène d'accumulation quand on monte au fur et à mesure. Tout à fait. Ce qui est aussi étonnant, c'est que même au sein de l'animal, il y a une petite photo qui est montrée là, ces métaux lourds sont répartis différemment suivant la dans le beluga, le corps, on les trouve. Voilà. Toutes les parties du beluga ne sont pas égales, ça la pollution. Tout à fait. Alors, c'est dans le foie, hein, puisque c'est un organe qui est détoxifié. Mais chez le beluga, c'est aussi concentré dans la queue du beluga. Et c'est une partie qui est consommée, notamment chez les femmes, hein, qui est un mets assez privilégié, qui a beaucoup de gras. Et du coup, il y a une grosse concentration, notamment de mercure. Et donc, vous avez. Les scientifiques étaient sur le terrain, on a vu des images. Ils interrogent les gens sur leurs pratiques alimentaires, à quelle fréquence ils mangent, quel type de poisson, etc. Frédéric Schluss, cette façon d'enquêter sur le terrain, ça ressemble quand même à ce que vous m'avez raconté à propos de votre travail sur aux Marquises. Comment se passe l'inclusion comme ça du grand public? Est-ce que quelquefois, ils ne voient pas arriver les chercheurs comme des chiens dans un jeu de quilles, quoi? On ne sait pas ce qu'ils viennent nous embêter, ou ça marche toujours bien? Alors, ça marche généralement bien, c'est bien préparé. Il faut connaître des personnes classes, des partenaires souvent associatifs qui nous permettent d'avoir accès aux populations. Il faut aussi construire avec eux, et c'est ce qu'Adia a expliqué dans cette étude-là, c'est une construction à partir des questions qui se posent, à partir de leurs priorités, des grands enjeux. Aux Marquises, c'était vraiment les enjeux de sauvegarde de ce territoire maritime, qui est un territoire, il y a une zone économique exclusive très importante, où il y a une richesse très très forte, où il y a des convoitises aussi très importantes, hein, notamment de bateaux de pêche qui veulent venir pêcher dans les eaux territoriales. Donc à partir du moment où c'est préparé, où c'est expliqué, et en fait le chercheur il construit de la connaissance, alors pour la science évidemment, mais au service aussi des populations, puisque c'est aussi au service de l'aide à la décision, pour là notamment au Marquis, c'était pour la construction d'une aire marine gérée. Donc c'est quand il y a ce lien qui s'opère, c'est souvent extrêmement fructueux, extrêmement riche. Il faut trouver des collaborateurs sur place, quoi, des complices, des gens qui veulent bien jouer le jeu. Alors non, c'est des partenaires, vraiment, j'insiste sur ce terme de partenaire, et c'est pas un jeu, parce que tout seul, effectivement, pour avoir accès aux populations, ça peut être compliqué. Et puis il y a aussi, aux Marquises, il y avait les problèmes de la langue, par exemple, tout ne peut pas être traduit en français, même si les Marquisiens parlent français, puisqu'on est en Polynésie française. Hein. Mais il y a aussi toutes ces légendes, tous ces contes, et on a besoin de personnes qui nous aident aussi dans cette traduction et dans ce lien avec les populations. Mais oui, c'est un partenariat étroit, fructueux pour les deux, et puis équitable et transparent. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Alors, à propos de langue et de traduction, on a parlé de l'association qui a été créée en 2011 par Sandrine Job en Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle Paladalic. C'est une association qui permet d'aller voir les coraux, de plonger voir les coraux. Paladalic, Sandrine Job, c'est une expression kanak, hein, enfin en tout cas qui veut dire quelque chose lié à la mer, je crois. Pala signifie parler et dalic c'est la mer ou le lagon. Donc en fait, ça va un peu dans les deux sens, c'est parler de la mer ou la mer te parle. En fait, assez rapidement, au démarrage, cette association elle s'est créée comme un club de plongée, puisque je suis monitrice de plongée par ailleurs. Et donc, c'était pour faire de l'observation. Et au bout d'un tout petit nombre d'années, on a commencé à intervenir dans les écoles, dans le cadre de la fête de la science, à Lifou d'ailleurs, qui est une des îles Loyauté. Et en fait, on a commencé à vraiment parler de la mer. C'est-à-dire qu'au travers de toutes ces actions scolaires, on raconte ce qu'on a vu et on construit le savoir au travers de ce qu'on voit. Et ça touche énormément les jeunes, puisque quand on leur parle du morceau de récif qu'ils ont juste sous leurs pieds, tout de suite, ça va plus les toucher. De plus en plus, on prend les jeunes avec nous dans l'eau aussi. C'est-à-dire qu'on a mis en place un espèce de suivi pour les enfants. J'ai entendu, veuillez m'excuser madame, j'ai pas retenu votre nom, mais en tout cas votre expérience aux Marquises est très intéressante. Nous avons aussi travaillé avec la province, une des provinces de Nouvelle-Calédonie sur le projet des aires marines éducatives,
qui est calqué donc sur le modèle de celui des Marquises. Et il s'agit effectivement de confier un espace de récif à des enfants pour qu'ils apprennent à le gérer. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça, c'est vraiment essayer de porter en fait l'observation dans le cœur des gens, mais au travers de choses qu'ils voient, puisque forcément, ça va plus les toucher. Voilà. Après, je voulais juste rebondir sur quelque chose qui m'avait interpellée, qui vient d'être dit par rapport aux langues. Donc là, en ce moment, on prépare une exposition itinérante, donc qui va vraiment se déplacer partout dans toutes les tribus de Nouvelle-Calédonie et dans les événements scolaires, etc. Et on a un partenariat avec l'Académie des langues Kanak qui promouvoit justement l'utilisation de ces langues, hein, parce qu'il y a 32 langues Kanak hein, en Nouvelle-Calédonie, donc c'est énorme. Les populations étaient très, très isolées pendant longtemps, donc ce qui a fait qu'il y a autant de langues à l'heure actuelle qui sont encore parlées, mais parfois juste par 10 ou 50 personnes. Toutefois, ces langues existent encore et pour ne pas qu'elles meurent, il y a cette institution qui s'est créée. Donc, on a élaboré, nous, un partenariat avec eux, à la fois pour les aider, eux, à récupérer des mots en lien avec la mère. Et nous, on bénéficie de leur appui de manière à ce qu'on a, en fait, déjà traduit tout un certain nombre de phrases de l'exposition dans différentes langues, de manière à vraiment toucher les gens, puisque, effectivement, ici, c'est pareil, c'est la France, mais très clairement, c'est pas vraiment la France, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est à part, voilà, c'est un pays qui mérite d'être vu et connu, puisqu'il a vraiment une entité à part dans le monde. Il y a une culture très très forte qui est encore présente au quotidien, et notamment au travers des langues. Alors, à propos de cette façon de faire toucher du doigt aux gens sur le terrain, de ces évolutions scientifiques, de ces découvertes, de cette progression dans la domestication d'un environnement. Hein. Ebenezer, est-ce que vous, par exemple, au Bénin, dans ce travail autour des mangroves, j'imagine que vous devez concrètement former des gens, parce que la solution que vous avez évoquée tout à l'heure, qui permet d'amener de l'eau dans les zones dégradées, il faut former des ingénieurs, il faut former des techniciens. Comment ça se passe sur le terrain, ça? Ok. Merci beaucoup. Concrètement, c'est que dans le cadre de ce projet, vraiment faire adopter la technologie et la partager, nous avons financé 2 masters. Donc, il y a des étudiants qui ont suivi tout le processus et qui l'ont mis en master et qui ont soutenu. Et aussi, on a travaillé de commun accord avec la communauté. Le projet a évolué de telle sorte que nous avons installé des groupes de surveillance des mangroves au niveau de chaque village. Et ce sont ces villageois-là, ces groupements organisés et installés, qu'on a impliqués dans le projet pour suivre tout le processus, depuis le suivi des piézomètres mis en place, la prise des données, la construction des canaux, la maintenance, tout le processus, nous avons impliqué les communautés pour faire le travail. Je voudrais également rebondir un peu sur l'aspect de la disparition des poissons. Nous avons également le même problème au Bénin, c'est que s'il arrivait que certains poissons, certaines espèces de poissons disparaissent, c'est que nous allons perdre aussi bien les poissons, mais aussi la culture qui est liée à ça. Il y a la culture culinaire, il y a toute une symbolique qui est liée à certaines espèces pour certaines manifestations annuelles qui se font. Donc c'est d'autant plus important pour nous de préserver ces écosystèmes-là, pour préserver aussi bien ces cultures, ces rites annuels qui se font. Alors voilà. C'est intéressant ce que vous dites, c'est exactement hein, la problématique qu'illustrait Frédéric Schluss tout à l'heure. On arrive au terme de ce moment de discussion, hein. Ça fait presque une demi-heure déjà qu'on discute, mais je voudrais terminer quand même avec Nadia pour finir sur ce cold case, j'allais dire cette enquête autour du beluga, puisqu'on se rend compte que, de façon assez surprenante, la pollution qui est vectorisée, qui est portée par le mercure, elle est en quelque sorte à l'intérieur du beluga, contré par un autre élément chimique. Tout à fait. Je disais tout à l'heure qu'on avait trouvé dans les globules rouges d'Inuit beaucoup de sélénium. En fait, c'est une molécule qui a le sélénonée. Bravo, Nadia, c'est pas facile.
qui se trouve normalement pas du tout synthétisé par les mammifères marins qu'on retrouve dans le milieu marin, et qui a un puissant antioxydant. Et actuellement, les scientifiques pensent également que ça permettrait de faire une réaction chimique avec le mercure et qu'il n'aurait de ce fait pas d'impact trop néfaste. C'est le contrepoison, quoi. Globalement, on pourrait presque dire ça, c'est le contrepoison. Et actuellement, la question se pose de savoir d'où vient, quelle est l'origine de cette molécule. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi à savoir, c'est qu'on peut rebasculer cette expérience-là sur nos littoraux. Nous avons de la sélénine aussi dans la sardine et les maquereaux. Donc, l'objectif de ce projet était de dire aux jeunes, hein, il y a une petite image où il y a marqué « Nous, on ne mange pas de poulet », c'est d'expliquer que cette alimentation traditionnelle inuite, eh bien, elle a, malgré ces polluants qui viennent de l'Europe et de l'Amérique du Nord, eh bien, elle est bénéfique, malgré tout, aux Inuits, et qu'il ne faut pas qu'ils tombent dans la facilité, genre manger des pizzas, un peu ce qu'on fait, n'est-ce pas ? Et qu'ils continuent à perpétuer cette tradition de cette tradition alimentaire. Et j'allais dire, ce projet ouvre des perspectives beaucoup plus importantes, puisqu'on pourrait aussi s'en inspirer et revenir, nous, manger du poisson qui pourrait contrer certains effets nocifs à notre santé. Alors, on va continuer maintenant un peu la discussion, mais plutôt sous la forme des questions-réponses, hein, puisque peut-être que dans la salle, certains d'entre vous avaient envie d'interroger nos invités dans la salle ou sur le web, hein, puisque depuis la page YouTube d'Océanopolis, où vous pouvez regarder, suivre les débats, il est aussi possible de poser des questions. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un là qui baisse son masque, voilà. Non, non. Ah non, c'était un faux baisser de masque. Je me suis fait avoir. Alors, c'est un peu difficile pour moi de voir la salle avec les lumières. Alors peut-être, moi, je vais poser une question complémentaire à Sandrine Job, qui a expliqué qu'elle travaillait très volontiers, de façon un peu particulière, avec les jeunes, avec les enfants. Je me demandais si, en plus, avec l'expérience qu'elle a dans cette association qui a été créée en 2011, est-ce qu'elle voit monter la thématique de la lutte contre le réchauffement climatique ? On a vu ces dernières années que c'était un thème qui était devenu très important pour la jeune génération. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous constatez directement auprès des jeunes gens avec qui vous travaillez sur le projet, Sandrine ? Alors, je dirais qu'il y a une prise de conscience un peu collective au niveau de l'ensemble de la planète, hein, sur ces thématiques. Et donc, en Calédonie, on n'est pas épargné, mais bien entendu concerné par ces questions-là. Et effectivement, ces dernières années, il y a énormément de projets scolaires qui ont été mis en œuvre par les institutions locale, puisque l'éducation est de compétence territoriale, hein, pour partie en tout cas. Notamment, par exemple, je pense à le label environnement et écologie et développement durable qui est proposé au sein des établissements. Donc, c'est un label que les établissements peuvent demander. Pour ce faire, ils font appel à des associations environnementales comme nous pour leur amener de la connaissance. Ça leur permet de construire, enfin nous et d'autres, hein, parce qu'il y a quand même énormément d'associations environnementales en Nouvelle-Calédonie, c'est très riche. Et donc ça leur permet de construire effectivement des projets, mais également des dossiers, obtenir des labels, qui leur permet de continuer à faire une meilleure éducation des enfants, parce qu'en fait la solution elle est là. La solution elle est là, elle est que les jeunes générations, ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous. Moi je pense que nous on n'a pas fait les mêmes erreurs que nos parents, mais ça prend beaucoup de temps. On sait que la dégradation va plus vite que la prise de conscience, mais moi je vois depuis effectivement presque 20 ans que je suis en Nouvelle-Calédonie une meilleure appropriation de ces savoirs. On le voit au moment où on pose des questions aux enfants, tout de suite ils répondent plus justement année après année. Donc oui, j'ai quand même l'impression qu'effectivement, ça porte ses fruits, et ça, c'est le travail d'énormément d'acteurs, qu'ils soient institutionnels, privés, publics, sans compter tous les mécènes qui nous aident aussi financièrement, tous les citoyens qui s'investissent dans les associations. C'est vraiment un effort collectif qu'il y a à faire, et ça porte ses fruits.
Moi, je suis très optimiste, hein, donc. Bon, ben, c'est sympa, ça. C'est sympa de parler d'optimisme, hein, parce que c'est pas le message prédominant à l'heure actuelle. Ebenezer, est-ce que vous pourriez évoquer ce que sera l'avenir de ce formidable projet qui est mené par l'ONG Corde sur la restauration des mangroves? Vous êtes, j'imagine, déjà projeté dans les années qui viennent. Alors, est-ce qu'on a perdu Ebenezer? Non, je crois pas. Si, peut-être quand même. Ah non, voilà Ebenezer. Oui, oui. On vous écoute. Les dieux de la connexion sont avec moi. je voudrais apporter un peu, oui, une précision. Dans notre cas aussi, nous faisons des activités en direction de la jeune génération qu'on nous appelle éducation environnementale, qui est systématique à tout le projet, à tout ce projet-là, à tous les projets que nous gérons globalement au niveau de Corde ONG. Et nous sollicitons des plages horaires au niveau des établissements et nous allons animer des séances pédagogiques avec les enfants sur les divers thèmes tels que l'écosystème mangrove, le réchauffement climatique, où on aborde diverses thématiques, comme je l'ai dit, avec les enfants. Ça permet, la logique, c'est d'avoir une relève de qualité demain, parce que avec les adultes, c'est comme le tronc d'arbre dans l'eau, ce serait comme carrément difficile de les transformer. Mais avec les enfants, nous arrivons quand même à faire un travail merveilleux et avoir des résultats avec eux. Voilà ce que nous faisons. Je voulais apporter cette précision aussi. Bon, ben, j'aime bien qu'on termine avec cette idée d'optimisme. Frédéric Schluss, est-ce que c'est aussi une des conclusions qui est drainé par le travail que vous avez fait aux Marquises, ce goût du public, ce goût des populations concernées, cette envie de trouver des solutions, c'est aussi un des enseignements que vous en avez tirés? Les populations, évidemment, sont concernées parce qu'elles vivent de la mer, c'est ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Elles vivent de la mer, elles ont des liens forts, pluriels avec la mer, des liens symboliques. C'est hard de manger, mais c'est aussi ce qui fait leur identité. Quand on est peuple de la mer et en Bretagne aussi, parce que j'ai eu la chance de travailler aussi en Bretagne, voilà, quand on a ces liens avec la mer. Et donc, évidemment que ces populations sont concernées, qu'elles ont aussi des savoirs qui leur permettent de voir des transformations, des changements, et qui sont des changements en ce moment qui ne sont pas en bien, qui sont plutôt qui posent des questions sur l'avenir. Et ça, c'est important à prendre en compte. Juste si j'ai 2 minutes pour parler des aires marines éducatives. Donc, aires marines éducatives qui sont nées sur l'île de Tawata, aux Marquises, où après le passage de scientifiques qui expliquaient, voilà, il faut gérer, il faut faire une aire protégée, les enfants de primaire, puisqu'il n'y a qu'une école primaire, une seule classe, se sont dit, mais nous aussi, on veut gérer. Et donc, on veut aussi pouvoir interdire à nos parents de pêcher ici, de mettre des poubelles là, de pêcher, quoi, de mettre les bateaux, de positionner les bateaux. Et c'est né comme ça. Et aujourd'hui, il y a des aires marines éducatives en Bretagne, il y a des aires marines éducatives partout sur l'ensemble du territoire français. Et c'est vraiment une belle réussite, parce que ça permet à la fois de prendre conscience, de se dire qu'il faut être acteur aussi. C'est pas juste apprendre, mais c'est aussi être acteur. Et ce qu'il y avait aux Marquises, alors je connais moins bien ici, c'est aussi cette transmission entre des savoirs de personnes plus âgées, des pêcheurs qui parlent de leur métier, et puis les jeunes. Donc là, c'est en tout cas une très, très belle réussite, parce que je crois qu'on est arrivé à plus de 300, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais presque 400, je vois qu'on me fait des chiffres, des signes. Mais voilà, c'est extraordinaire. Nadia, un mot, cet optimisme, peut-être on va... Oui, et puis on va s'arrêter là. Ah non, il y a une question. Ah, une question. Oui, Lionel, je voulais vous demander, et c'est peut-être plus à Sandrine Job, qu'est-ce qui se passe entre la Nouvelle-Calédonie et tout ce qui se fait entre les pays du Pacifique, qui se réunissent, ben, sans nous, souvent, mais pas toujours d'ailleurs. Le Japon est en train de développer un gros, gros projet assez vertical, comme souvent au Japon, mais qui se ramifie, on va dire, dans le pays, en lien avec la décennie des océans pour l'UNESCO. Et ils sont très demandeurs, en fait, de rencontrer. Et je voulais savoir si, ben, en Calédonie, ça parle, ou est-ce qu'on reste franco-français et puis asiatique-asiatique,
Comment ça s'échange? Moi, j'ai découvert à l'occasion d'une de ces rencontres qu'il y avait des aires éducatives à Hawaï, par exemple, parce que quelqu'un d'Hawaï intervenait. Donc, je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas encore quand même des passerelles à construire entre tout ça, en fait? Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors franco-français, non, pas du tout. En collaboration avec la France, beaucoup. La France aide énormément dans le domaine de l'environnement. Toutefois, il y a aussi beaucoup de relations avec le groupe Fer de Lance. Donc tous les autres pays, un grand nombre d'autres pays du Pacifique qui font partie de ce groupe Fer de Lance. Je vous avoue que je ne me suis pas beaucoup penchée sur la question du sommet là dont vous parlez avec le Japon. Mais on a aussi passé des périodes assez difficiles d'un point de vue institutionnel. Donc je pense que la question de l'environnement est au cœur de la culture du pays, c'est sûr. Mais dernièrement, effectivement, c'était pas exactement la priorité qui a été mise à l'ordre du jour en Nouvelle-Calédonie. Là, depuis quelques années, vous avez dû entendre parler des référendums, etc. C'est vrai que ça a pris beaucoup de place. Voilà. Mais effectivement, il y a énormément de choses à faire et régulièrement, on essaie de répondre à des projets, notamment au travers des fonds européens, avec des collaborations avec divers pays du Pacifique pour travailler tous ensemble. Merci Sandrine, merci monsieur pour cette question. On arrive à la fin de cette première table ronde. Je remercie les scientifiques et les invités qui étaient avec nous. Nadia Améziane, merci, chef de la station marine de Concarneau. On va parler de sciences participatives dans la table ronde qui suit. C'est des sujets que vous connaissez bien aussi. Frédéric Schluss, anthropologue au Muséum national d'histoire naturelle. On était en visio avec Sandrine Job depuis la Nouvelle-Calédonie, qui est la fondatrice de l'association Paladalic. Et on était depuis le Bénin avec Ebenezer Oudjinou, qui est le coordinateur de l'ONG Corde Bénin. Merci à tous. Et il y a plein de contenu sur Internet sur tous ces projets. Si vous voulez continuer l'exploration, on se retrouve tout de suite pour la deuxième table ronde. Merci. Alors, on est toujours à Brest, dans le grand auditorium d'Océanopolis, pour la deuxième table ronde de cet après-midi grand public, consacré à la diffusion de la connaissance scientifique, comment cette connaissance scientifique, elle se constitue, comment elle s'agrège, et puis comment elle est communiquée au public, au grand public. Pour parler de ce sujet, là, on va faire un gros plan sur un domaine qui est en pleine effervescence en ce moment, c'est celui des sciences participatives. Et on va parler de 4 programmes de sciences participatives avec 4 invités. Alors, on en a un qui est en visio, c'est moitié moins que tout à l'heure. Et puis, on a 3 invités
sur la scène de l'auditorium à Océanopolis. On est avec Céline Liret qui connaît bien Océanopolis puisqu'elle en est la directrice scientifique. Bonjour Céline. Nous sommes également avec Isabelle Leviol qui vient en voisine puisque vous, Isabelle, vous êtes enseignante chercheuse au MNHN à la station marine de Concarneau dont on parlait tout à l'heure avec Nadia Méziane qui la dirige. Et puis nous sommes avec Marjolaine Atabos qui est chercheure à l'IFREMER et spécialiste en biologie et qui va nous parler d'un programme qui va nous envoyer très profondément au fond des océans. Et en visio, on est avec Laurent Chauveau, voilà, je vois Laurent, qui est à Saint-Pierre-et-Miquelon pour des manips, mais il reviendra bientôt à Brest. Laurent Chauveau est directeur de recherche au CNRS, il est spécialiste d'écologie côtière au sein de l'Institut universitaire européen de la mer. Alors, on va peut-être commencer par le plus profond des océans avec Marjolaine. Vous travaillez sur un programme de sciences participatives qui nécessite l'intervention de petits sous-marins dans lesquels vous êtes déjà vous-même, vous avez plongé pour aller déposer des caméras à côté de structures très particulières qu'on appelle les fumeurs noirs. Oui, les sources hydrothermales. Donc, ce sont des grands geysers sous-marins donc on retrouve au niveau des dorsales. Donc, c'est un environnement très particulier qui représente une petite surface de la planète. Alors, je précise qu'on a des images qui sont passées tout à l'heure, où on voyait, va pouvoir nous les montrer. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, en fait, à ce niveau, il y a une circulation d'eau de mer dans la croûte océanique qui va entraîner la création d'un fluide donc, très spécial, puisqu'il n'a plus d'oxygène. Il n'a plus d'oxygène, il est très chaud, et puis il va être chargé en éléments très spéciaux, dont les métaux rares, donc, qui sont une richesse des grands fonds et qui porte l'intérêt des industriels de plus en plus. Voilà, puisqu'on fait des batteries de téléphone portable. On fait beaucoup de choses, oui, l'aéronautique, le numérique, ouais, et puis les ressources se raréfient sur Terre. Et donc, nous, on s'intéresse à comprendre un petit peu la vie de ces animaux qui sont spécifiques et qui peuvent se développer uniquement dans ces conditions, donc ces environnements. Alors, on voit un dispositif là. Ça, c'est une sonde de température donc, qui permet de mesurer la dynamique des fluides parce que c'est très dynamique. Hein, donc, vu que c'est lié à la circulation de l'eau, on peut avoir des variations de température de 20 degrés sur quelques secondes, quelques minutes. Et donc, une fois des animaux qui sont adaptés à ces changements et qui ont adapté leur comportement à ces milieux. Et donc, nous, on essaie de comprendre c'est, comment ils adaptent leur changement. Donc, c'est les temps courts. Et effectivement, donc, comme on est profond, on est à 1700, 2000 mètres. Donc, 2000 mètres, jusqu'à 2000 voilà. mètres. Alors, c'est pas évident d'y aller. Mais voilà, c'est dans cette mesure où on peut se demander comment ça peut être de la science participative quand on travaille à 2000 mètres de profondeur. Là, on ne va pas faire passer le permis poids lourd de plongeurs. Ça demande beaucoup d'énergie de descendre tous les jours. Et puis, il faut un bateau, il faut un sous-marin. C'est quand même des gros moyens. Et donc, c'est vrai que quand on va sur un site, on va y aller une fois par an, une fois tous les 5 ans. Donc, on a juste une petite image de ce qui se passe une fois tous les je ne sais pas combien. Donc, une solution qui a été développée il y a une dizaine d'années, ça a été donc, le développement d'observatoires grand fond. Donc, on va aller déployer des instruments sur le fond de l'océan qu'on va laisser. Et donc, en tant que biologiste, nous, ce qu'on voulait, c'est observer les animaux dans leur quotidien et donc voir comment ils réagissent aux changements, comment ils interagissent, avoir des informations sur leur comportement et leur biologie. Et donc, on a une caméra qui est déposée au fond, donc sur 2 sites, hein, Pacifique, Atlantique, qui va filmer tous les jours donc, des communautés animales, des assemblages. Et donc, on filme quelques minutes à quelques heures par jour. Donc, on a accumulé plus de 7000 heures de vidéos. Donc autant vous dire qu'au laboratoire, on a un petit peu du mal à traiter toute cette donnée-là. Donc une idée a été, on pourrait peut-être demander à tout le monde de nous aider en fait. N'importe qui peut contribuer, hein, petit et grand, puisque les tâches sont assez simples. Hein, tout le monde peut reconnaître un crabe, un escargot. Donc, comment ils font concrètement les gens, parce qu'ils ne vont pas venir dans le labo ? Il y a un contenu qui est disponible en ligne. Quoi, hein. Il y a un site, il faut donner le nom du site. Oui, donc c'est les grands fonds, le projet. Donc c'est deepsea.com, donc www.deepseaspy.com. Espion des grands fonds Ifremer, on le trouve aussi.
Et donc, avec tout ce qui est le développement du web, en fait, on a donc créé une interface en ligne qui permet d'accéder à ces images. Donc, il y a d'abord un tutoriel, on crée un compte, et donc tout citoyen peut venir et contribuer à l'annotation de ces images pour nous aider à créer cette base de données, à analyser, mais ça nous permet aussi de créer une base qui nous permet d'entraîner des algorithmes informatiques pour un jour aller vers le traitement automatique de ces images. Donc, c'est vraiment nous aider, nous, les chercheurs, à créer cette base en fait, d'annotation d'animaux, des grands fonds. Donc concrètement, ça veut dire que l'usager, l'internaute, il regarde vos images, soudain, à côté de la petite cheminée du fumeur noir, il voit un crabe, il clique dessus, et c'est il écrive. C'est ça, tout à fait. Et en agrégeant ces données jour après jour, vous, ça vous permet de connaître l'évolution Alors nous, on voit l'évolution des animaux. Alors après, évidemment, on peut se tromper, hein, parce que c'est toujours ce qu'on nous dit. Oh, mais si je me trompe, que j'oublie un animal, en fait... Le principe est vraiment basé sur l'idée qu'une même image va être annotée par 10, 20 participants différents. Donc ça, c'est un chiffre qu'on essaye de définir aujourd'hui, lequel est le mieux. Et ça part du principe qu'en fait, quand il y a un animal, si tout le monde l'a trouvé, c'est sûrement qu'il est là. 10 personnes ne vont pas se tromper de la même manière. Donc on ne va pas avoir un animal qui a été vu 10 fois et qui n'est pas là, en fait. Donc on va faire, à partir de statistiques, on va définir des niveaux de validation de la donnée. Et donc ensuite, ça nous crée cette base sur laquelle on va se fier. Et puis après, on peut. C'est amusant parce que c'est le principe du deep learning avec l'intelligence artificielle, de essayer se tromper pour, oui. pour finalement arriver à la bonne réponse. Mais là, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la vraie matière grise, quoi. C'est de la vraie matière grise, mais qu'on veut coupler aussi à l'intelligence artificielle. Donc ça va être une boucle un peu, parce que l'idée, une fois, c'est qu'on a ces bases. Que les citoyens nous aident à créer. On va entraîner des algorithmes, ça va nous permettre de créer un catalogue. Et on aimerait aller plus loin en demandant aux gens de vérifier les catalogues, de dire un catalogue de crabes, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il n'y en a pas. Et donc créer cette boucle pour être de plus en plus précis dans la notation, en fait. Alors Isabelle Lebel, cette expérimentation, ce programme de science participative, comme à chaque fois dans la science participative, il y a une question scientifique. On pose une question scientifique. Vous, la question scientifique, elle tourne autour des plages de la région et de la profusion des algues qui sont pas toujours bien comprises du public. Hein. Longtemps, on a pu considérer qu'une plage avec des algues, c'était une plage qui n'était pas bien entretenue. Alors, bonjour et merci. Donc, effectivement, on a développé un programme de participatif qui s'appelle Plage Vive. C'est un programme de recherche en écologie et sciences humaines et sociales et qui est adossé à un observatoire de suivi de la biodiversité de ces plages et qui s'articule entre autres autour des laisses de mer. Alors, ces laisses de mer, c'est notamment justement ces algues qui sont déposées par la mer en même temps que nos. C'est un nom assez mystérieux. Hein. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, il a fallu que je fasse répéter les laisses de mer. Les laisses de mer. Et ces algues, elles vont être progressivement décomposées par plein de micro-organismes, par des décomposeurs, des invertébrés qui vont rentrer dans la chaîne alimentaire et donc notamment servir d'alimentation aux oiseaux, aux poissons et fournir des éléments nutritifs qui reviennent dans la mer et qui servent aussi aux plantes de haute grève. Donc c'est tout le fonctionnement d'un écosystème en fait qui est important et qui a un rôle à la fois au niveau trophique, au niveau stabilisation du trait de côte et aussi patrimonial parce que ça permet à des espèces de se maintenir. Mais comme vous le dites, ces algues, elles sont pas toujours bien vues par le public parce que effectivement, elles peuvent être malodorantes et en même temps, voilà, elles participent au fonctionnement de cet écosystème. Et donc, nous, il nous semblait important de développer justement ce programme parce qu'on a nos questions scientifiques qui sont donc de se demander comment tout cela fonctionne et puis surtout comment on va, en fait, les changements futurs, les changements climatiques, les changements globaux ou les changements locaux hein, de qualité des eaux affectent, en fait, la composition de ces laisses de mer, notamment la composition en algues. Et vont donc modifier le fonctionnement de cet écosystème. Et aussi, comment, en fait, c'est en suivant ces algues sur les plages, on peut avoir des informations sur les écosystèmes qui sont côtiers, qui sont en fait à proximité des plages. En gros, c'est comme des témoins, effectivement, de ce qui se passe sous la mer. Comme on l'a vu, c'est souvent difficile d'accès. Donc l'idée, c'est de regarder déjà ce qu'on a tout de suite à proximité immédiate. Et en même temps, donc on répond à notre question scientifique. Et en même temps, l'idée, c'est de proposer un programme qui permette donc au public, aux participants, ça peut être des scolaires, ça peut être du grand public, ça peut être des gestionnaires, de justement se rapprocher de ce milieu, en comprendre le fonctionnement,
se lancer dans l'identification. Et donc, partant du principe que s'ils connaissent, s'ils ont envie de découvrir, ils auront aussi envie de protéger et d'être acteurs. Alors, on va parler de cette identification. Donc, il faut bien insister sur ce point qu'un programme de science participative, c'est de la science. Hein. Il y a un questionnement scientifique. Isabelle Le Viol, vous en êtes à l'origine, mais vous travaillez avec un confrère que vous vouliez citer, c'est Christian Kerbirou, c'est ça ? Alors, on est toute une équipe. On est effectivement deux chercheurs à l'origine. Et donc, on est co-responsables scientifiques. On travaille surtout étroitement avec Pauline Poisson, qui est l'animatrice de ce programme. Donc, c'est un programme qu'on développe sur l'ensemble du littoral français. Pour les algues, c'est le secteur Manche-Atlantique, donc sur l'ensemble de la façade. Et évidemment, on ne travaille pas tout seul, on travaille avec plein de partenaires, et notamment des associations et des structures d'éducation à l'environnement, et aussi des enseignants, des conseillers pédagogiques, pour justement co-construire aussi les outils et les protocoles de façon à ce qu'ils soient vraiment adaptés au public auquel ils s'adressent. Alors, donc, les outils, le protocole, on les a dans la vidéo. Guy va pouvoir nous les remontrer. On voit les enfants qui sont sur la plage et le but du jeu déjà c'est de finir taille de pixels quoi, en quelque sorte, c'est à dire il faut poser une sorte de cadre sur la plage pour s'interroger sur ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadre. Voilà, on est parti, on va tous comparer la même surface. En fait, on a défini des quadrats, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Donc, on positionne sur la laisse de mer fraîche, hein, c'est juste les algues qui viennent d'arriver, qui viennent d'être déposées. Et en général, on en pose 5, donc sur un transect de 25 mètres. Et on va identifier toutes les algues qui sont dans ce quadrat de 1 mètre carré. Et ça, on va le faire sur toutes les plages. Et partout, de la même façon, au cours des années et au cours des mois. Et ça veut dire que du coup, on peut très facilement comparer comme ça la composition en algues donc de ces laisses de mer. Voilà, donc effectivement, si on dépose un quadrat, et puis, alors évidemment, pareil, on ne connaît pas forcément toutes les algues. Voilà, comme ça. Il y a un dispositif à apprendre quand même. Développer des outils, notamment des clés d'identification, des petits clés que vous avez vus sur la vidéo, où justement, les outils sont vraiment pensés pour limiter au maximum les erreurs. Et évidemment, il y a un processus, pareil, de contrôle qualité de la donnée derrière. L'idée, c'est de donner envie aux participants aussi de monter en compétences. Donc, il y a un protocole pour les débutants et puis on propose un protocole au niveau expert où, du coup, on passe de 40 taxons à plutôt 180 taxons. Céline Liré, vous êtes directrice scientifique d'Océanopolis. Hein. Je rappelle qu'on est là en direct depuis l'auditorium d'Océanopolis. Vous pouvez... Il y a des gens devant qui nous regardent, qui vont poser des questions à la fin de cette table ronde. Mais vous regardez aussi sur le web depuis la page YouTube d'Océanopolis. On va parler d'un autre programme de sciences participatives qui a été créé par Océanopolis. Alors, on a l'impression que la Bretagne est vraiment très forte en sciences participatives. Ça effleure bourgeonne de tous les côtés. Alors, ce programme, c'est Objectif Plancton. Et là aussi, mais là, il y a une démarche qui est un petit peu différente, si j'ai bien compris, parce que la question scientifique, elle est apparue pas forcément à l'instant zéro. Exactement. En fait, la question scientifique est apparue après quelques années... Là, on voit les images, Céline. Hein. Exactement, le déploiement de ce projet. En fait, à l'origine, on était vraiment sur des actions de sensibilisation du grand public. Donc, c'était aller prélever du plancton ici en rade de Brest. Donc, on faisait appel à quelques plaisanciers. Et puis, on utilisait ce plancton, le plancton du jour, hein, finalement, pour montrer en fait, au public ce qu'il y a dans une goutte d'eau. Hein, et qu'il y a de la vie, il y a du plancton végétal, animal, voilà, des larves de poissons, des petits copépodes. Et évidemment, il y a eu de la communication sur ces actions hein, qui se sont répétées au fil des années. Et puis, il y a 5-6 ans, on a commencé à échanger avec différents scientifiques qui sont venus vers nous en disant « Mais ça nous intéresse fortement ce que vous faites parce qu'il y a une question à laquelle on n'arrive pas à répondre. C'est on aimerait avoir une vue synoptique d'écosystème. » Alors, comme la rade de Brest. Une vue synoptique, Céline. C'est en fait une vue synoptique, c'est on prend une photographie à un instant T, hein, comme si on aurait pu avoir une image satellite, mais là l'objectif c'était vraiment de savoir ce qu'il y avait dans l'eau. Donc l'image satellite, souvent, voilà, elle donne juste quelques informations, mais il fallait là des prélèvements à différents endroits. Et donc ils sont venus vers nous, voilà, en disant ça, on a vraiment besoin de ça. On n'a pas les moyens nautiques. Pour pouvoir faire ces prélèvements, on n'a pas assez de bateaux. Vu ce que vous êtes en train de mettre en place, vous travaillez déjà avec les plaisanciers, est-ce qu'ils seraient d'accord de contribuer à la connaissance, à la recherche,
en déployant plus de bateaux, en identifiant voilà, des points très précis hein, voilà, pour aller faire les prélèvements. Alors donc l'équipe scientifique, alors il y avait différentes approches, hein, il y avait le volet très paramètres physico-chimiques voilà, des écosystèmes, le volet évidemment plancton végétal, hein, et puis la partie plancton animal, hein, plutôt larves de poisson. Et donc dans les équipes, on a évidemment l'Institut universitaire européen de la mer hein, de l'Université de Bretagne occidentale, la station marine de Concarneau, hein, avec le Muséum national d'histoire naturelle et Sorbonne Université, et Ifremer. Hein. Donc on avait voilà, ces différents organismes qui vraiment étaient intéressés par cette démarche. Et donc on a dit, bon très bien, on va ensemble. On a la question hein, scientifique, c'est quelles sont les variations à petite échelle, les variations spatiales et temporelles des communautés planctoniques en rade de Brest, en rade de Lorient et en baie de Concarneau. Donc aujourd'hui, en fait, ce programme est mis en place maintenant depuis bientôt 4 ans. Il y a des prélèvements qui sont réalisés 3 fois par an, et pour faire ces prélèvements, pour aller vraiment collecter les échantillons, eh bien on fait appel aux plaisanciers. D'où le bateau qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, exactement. Quand il y a des points de prélèvement, hein, que ce soit en rade de Brest, pareil, rade de Lorient et baie de Concarneau, c'est très précis, hein, des points GPS. Le plaisancier doit être à midi 17, voilà, à tel endroit, tout le monde, chacun son point, et ils font les prélèvements à midi 17, prélèvements d'eau, avec mesure de certains paramètres physico-chimiques, et puis ils ramènent tout ça à quai. Là, à quai, évidemment, les scientifiques sont présents, ils traitent les échantillons pour pouvoir les analyser après en laboratoire, et les structures de médiation scientifique, hein, comme Océanopolis, le Fonds Explore à Concarneau, et puis l'Observatoire du Plancton à Port-Louis, hein, à côté de Lorient, font à ce moment-là, continuent à faire des actions de sensibilisation, de médiation hein, du public, des visiteurs qui sont présents pour expliquer ce qui est en train d'être fait et ce qu'il y a dans cette fameuse goutte d'eau. Oui, c'est extraordinaire ce qu'il y a dans une goutte d'eau. Hein. Il y a plein de vidéos, évidemment, sur le web, sur ce à quoi ressemble le plancton. Hein. C'est alien, hein. Enfin, c'est un alien gentil, hein, mais c'est absolument extraordinaire. C'est à voir. Alors, la première fois, ça peut faire peur. Hein. Ouais. Sur cette question de la sensibilisation du public, notre dernier invité, notre quatrième invité, Laurent Chauveau, qui est à Saint-Pierre et Miquelon, lui a une démarche très originale, enfin qui existe par ailleurs, mais qu'on peut qualifier sous l'expression art et science, c'est-à-dire qu'il arrive à impliqué dans ses travaux. Il travaille notamment, il a travaillé sur l'Antarctique. Laurent Chauveau, c'est vous qui êtes l'auteur des photos superbes qui ont été prises sous l'eau et qu'on voit dans cette vidéo, qui ont été montées dans cette vidéo qui passe derrière nous. Donc vous êtes un spécialiste notamment de l'Antarctique et vous faites venir avec vous durant des expéditions des artistes qui ensuite vont pouvoir restituer leurs impressions, leur partenariat avec le scientifique sous leur propre forme à eux auprès du grand public. Oui, c'est exactement cette idée-là qui est utilisée maintenant depuis 10 ans et qui était au départ une idée extrêmement, comment vous dire ça, égoïste parce que la plongée sous glace en Antarctique avec essayer d'imaginer avec les images qui passe derrière vous, que je ne vois pas. Hein. J'ai perdu complètement la connexion. Oui, vous nous répondez en aveugle, donc c'est d'autant plus valeureux de votre part. Les images que vous voyez derrière montrent une biodiversité assez folle. J'ai également travaillé en Nouvelle-Calédonie, et la surprise quand on plonge sous la glace de l'Antarctique, c'est de découvrir un milieu aussi coloré et avec une biodiversité complètement folle. Évidemment, la différence, elle est dans le fait qu'en Nouvelle-Calédonie, la température est à 29 degrés et elle est à moins de 2 degrés en Antarctique. Mais l'idée, c'est que quand on revient en Antarctique, en Bretagne, vous passez d'un milieu extraterrestre ou d'une poésie ou d'une esthétique tellement folle que le retour en Bretagne crée un espèce de mal-être. Vous voyez, il y a une espèce. Le sevrage est assez difficile à vivre. Vous avez le spleen de l'Antarctique. Ouais, vraiment, il se passe quelque chose de fort et c'est lié à de l'esthétique, à des sons et à de la poésie. Et quand on est biologiste, à une biologie complètement folle en termes d'invention de forme et de couleur. Bref, j'ai eu un besoin de finalement faire. Pour finir de décrire ce que vit un scientifique,
la culture scientifique et les études scientifiques sont finalement un espèce de dressage à ne pas utiliser ou ne pas se laisser envahir par des émotions ou des sensations. Et donc, quand on est scientifique, même à passer un certain âge, on a des difficultés à expliquer au grand public ce que l'on voit en Antarctique, surtout, et en Arctique, surtout lorsque on observe une espèce de catastrophe qui reste magnifique, ce que j'appelle la beauté de la catastrophe, un changement climatique et des changements environnementaux qui sont visibles à l'échelle d'une carrière de chercheur. Bon, c'est beau et c'est catastrophique, et cette espèce d'ambivalence et de paradoxe et rajoute une difficulté. Et au départ, le mariage avec l'art était vraiment centré sur est-ce qu'on peut parler d'émotion et parler de façon sensible au grand public sans être anxiogène, sans être sidérant, sans faire trop peur, en utilisant la photographie, la peinture et la musique. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en routine, là, plus pour satisfaire des carences de scientifiques, mais vraiment pour essayer d'inventer un nouveau langage qui permet au public, de façon vraiment sensible, d'utiliser ou de s'approprier de la musique, des chansons ou des œuvres d'art comme de la photographie pour s'approprier pas des connaissances, mais un état d'écosystème en péril. Alors je crois qu'il y a Miossec a été impliqué notamment dans un de vos projets, Christophe Miossec, non ? Oui, au tout début, au commencement de tout ça, il y a également Christophe Miossec parce que Brest, je ne sais pas si vous le savez, mais est une ville assez exceptionnelle dans l'aptitude que ont les ouvriers, les artistes, les universitaires à se parler sans frontières. C'est une ville sans cloison liée au métier et liée à des classes sociales. Et je trouvais assez normal qu'on discute de nos écosystèmes bretons et des écosystèmes polaires avec un chanteur, avec le doux espoir que ce chanteur rock puisse s'approprier et utiliser ses idées pour alerter le grand public, ce qu'il a fait. Il a donné des concerts, en tout cas des représentations, dans lesquelles il a restitué un petit peu, il a fait son compte-rendu personnel à travers son prisme à lui, des expériences auxquelles il a assisté. Oui, et Miossec est dans ce paysage breton, évidemment, la personne la plus connue, mais nous avons associé le CNRS et associé fortement avec la Carène, qui est juste à côté de l'Océanopolis, hein, qui est la salle des musiques actuelles de Brest, et avec la Carène et quelqu'un qui est son directeur, Gwen Potter, on a inventé un système où CNRS, ou Institut Universitaire Européen de la Mer, et artistes, dans une convention, ont un libre accès aux deux types d'organisations, aux deux types de structures, et donc les artistes peuvent de plein droit venir dans notre laboratoire en routine sur le long terme. On est en train de parler de conventions qui courent sur 10 ans pour finalement que des musiciens utilisent des paradigmes scientifiques et des vérités scientifiques d'écologie côtière ici en Bretagne et au pôle viennent avec nous sur des bateaux, viennent avec nous en mission polaire pour finalement ramener vers le grand public la vérité de l'état actuel de notre planète. Alors, dans le cadre d'une science participative plus classique, vous, quand on a discuté ensemble dans le cadre de la préparation de cette table ronde, vous évoquiez un projet qui n'est pas encore mûr, mais que j'ai trouvé assez fascinant, qui était un petit peu de la même façon que Marjolaine Matabosé, qu'on demande aux internautes de reconnaître ce qu'il voit dans des vidéos filmées sous l'eau. Vous, Laurent, vous me disiez, j'ai envie de faire écouter des bruits sous-marins au public pour essayer de leur demander ce qu'ils identifient dans ces sons. Et alors, ce projet, il a un nom, il s'appelle ICZ, et ce n'est pas mon projet, c'est le projet d'un collectif. Il y a un peu plus de 70 chercheurs et une trentaine de laboratoires qui ont été proposés dans le cadre du PPR Océan, et c'était piloté par Concarneau, et je les remercie de m'avoir donné la parole là pour présenter ces résultats. Et donc Guillaume Massé et Marc Eléaume seront probablement les dirigeants ou les coordinateurs de ce projet. Et dans ce projet, il est effectivement mention en Antarctique de l'utilisation d'images vidéo, mais également d'images satellites et de sons
pour que finalement le grand public s'éduque à cette biodiversité antarctique ou à ce qu'est la dérive d'un iceberg et l'état de la glace et apprenne à reconnaître des sons de mammifères marins et ou d'invertébrés. Alors, je peux insister beaucoup sur la partie son parce que l'écologie acoustique émerge complètement de l'écologie côtière et on s'intéresse de plus en plus aux sons que font, évidemment, c'est pas nouveau, mais les mammifères marins. Mais ce qui est nouveau, ce sont les invertébrés et l'utilisation du son sous l'eau par les invertébrés pour leur biologie et à l'inverse de l'impact du bruit que nous ajoutons dans les milieux polaires et dans les milieux tempérés ou tropicaux sur la biologie de ces invertébrés dans un cadre assez large et très d'actualité en France parce que notamment en baie de Saint-Brieuc, l'installation des éoliennes offshore est vue sous un angle d'impact sonore à l'installation fort sur des pêcheries. Donc c'est une vraie actualité et on essaye et on a ce vœu d'éduquer ou de faire participer le grand public à la reconnaissance de sons, au comptage de mammifères marins ou de vocalisation, mais aussi de bruits faits par des langoustes ou des grands crustacés ou même des coquilles Saint-Jacques. Et cette notion de bruit va bien avec la notion de musique et on fait bien une passerelle entre des spectacles de type concert, de musiques actuelles, avec de la science participative, tout ça dans un contexte général d'émergence, au moins conceptuelle, d'émergence d'une nouvelle pollution qui est la pollution sonore, qui en milieu polaire va être une vraie vérité, puisque si on ouvre le passage du Nord-Ouest, on va d'abord introduire un nouveau polluant qui sera le bruit sur des invertébrés qui n'en connaissent pas ou qui connaissent des bruits de glace et pas du tout des bruits de moteur. Marjolaine Matabos, cette idée d'utiliser des micros sous l'eau à côté des caméras qui sont à 2000 mètres de profondeur, c'est, j'imagine, forcément quelque chose qui doit vous parler. Oui, tout à fait, c'est quelque chose auquel on pense, hein, mais bon, alors après, dès qu'on travaille à 2 mètres de profondeur, tout est compliqué, il y a de la pression, l'instrumentation ça prend du temps de développement. Mais comme disait Laurent, c'est vrai que l'impact du bruit dans la biologie des organismes, c'est assez nouveau et nous, ça nous intéresse d'autant plus que ces sources, donc on les voit cracher du fluide, ben on imagine qu'elles font du bruit. En fait, il y a juste quelques chercheurs qui ont commencé à écouter. Donc, ils se servent beaucoup du son pour écouter le mouvement de la croûte, pour étudier les séismes et la déformation des fonds marins. Mais donc là, on veut l'utiliser de plus en plus pour écouter les sorties de fluide, en fait, et le rythme de ces sorties de fluide. Et on suspecte en fait que ça pourrait peut-être être un indice pour les... Parce que comme je disais, c'est des environnements très petits. Ils peuvent être un site avec une source active, ils peuvent être espacés de centaines de kilomètres. Donc on se pose la question, mais comment font les organismes pour savoir que c'est là qu'il faut aller s'installer? Parce qu'on a du mal à trouver les larves dans la colonne d'eau. Et donc c'est une des hypothèses, peut-être qu'en fait ils entendent ces sorties de fluide et c'est ça qui leur donne l'indice. Donc effectivement, le son, c'est quelque chose vers lequel on veut aller. Et puis, je rejoins tout à fait Laurent sur l'impact aussi du son et comment ça peut être utilisé en musique pour attirer l'attention des gens. Et puis, il y a le son comme pollution anthropique. On entend très régulièrement les cas de baleines ou de dauphins qui seraient échoués parce qu'elles auraient été perturbées par les sons propagés par les bateaux, les sous-marins, etc. Et imaginons une exploitation, une carrière au fond des océans, le bruit des machines dans ces environnements, parce qu'effectivement, on peut imaginer la perturbation que ça peut représenter. Isabelle Leviol, est-ce que dans le cadre du travail qui est fait sur le terrain avec les enfants, est-ce que vous constatez, vous aussi, le fait que la problématique de la pollution, humaine, la pollution anthropique, est-ce que c'est quelque chose qui devient prégnant quoi, chez les jeunes générations? Là aussi, vous êtes à une forme d'avant-poste, quoi. Alors, évidemment, lorsqu'on s'intéresse aux laisses de mer, lorsque notamment les enfants échantillonnent cette laisse de mer, ils s'interrogent sur les déchets. Alors, nous, évidemment, on développe un protocole spécifique dessus. Ça a été déjà fait dans le cadre d'OSPAR. Hein, mais naturellement, ils l'abordent et ils exploitent aussi cet aspect-là en classe, en échangeant. On a parlé des aires marines éducatives tout à l'heure aussi, où c'est l'idée que les enfants proposent un certain nombre de mesures de gestion pour améliorer les choses. Donc, c'est aussi les rendre acteurs. Je pense que c'est toute l'idée derrière ces sciences participatives. Voilà, là, c'est pour... Nous, ce qui nous semble en plus important, donc il y a évidemment le fait d'être sensibilisé à cette biodiversité et à l'importance de la conserver. Donc
en les amenant à ça. Il y a aussi le fait de sensibiliser à l'ensemble de la démarche scientifique. Et donc, il y a bien sûr le fait de participer à un protocole, mais on a envie d'aller un petit peu au-delà. Et c'est aussi construire des séances en amont pour, qui vont de l'émergence des questionnements, comment faire émerger les questionnements près des enfants, qui eux-mêmes arrivent à définir des protocoles, hein, à mettre en place et collecter les données, et aller à l'analyse de données. Donc, toutes les données sont en open source et on est en train de travailler sur aussi des outils pour qu'eux-mêmes puissent analyser leurs données. Alors évidemment, on développe des outils pour accompagner les enseignants là-dessus. Donc c'est, voilà, c'est aussi embrasser l'ensemble de la démarche scientifique et les enjeux de biodiversité. Alors avant de passer au tour de la salle, je vois qu'on est en retard, peut-être toute dernière question, Céline, on a vu que la petite goutte d'eau, là, hein, c'était démons et merveilles quand on regardait l'intérieur. Est-ce que depuis le temps qu'Objectif Plancton existe, on a constaté une évolution de la composition de la petite goutte d'eau d'un point de vue du plancton? Alors on a vu des changements, évidemment, dans cette communauté planctique, hein, dans les différents sites échantillonnés en Bretagne. On voit des variations. Alors aujourd'hui, on a une série de données qui n'est pas suffisante pour... pouvoir identifier si c'est à quel type de facteurs c'est lié. Est-ce que c'est des facteurs anthropiques provenant des bassins versants, voilà, des activités plutôt terrestres, ou est-ce que en fait on voit les effets du changement climatique, hein, déjà dans des écosystèmes comme les rats, les baies. Donc il faut encore quelques années de données, mais on sait que en tout cas l'implication des plaisanciers, leur engagement aujourd'hui. On a une communauté qui est vraiment passionnée et qui devient même expert. Finalement, cette communauté, elle a appris avec les scientifiques au cours des années. Et donc, aujourd'hui, ce sont des vrais ambassadeurs du plancton. Alors, on va prendre les questions de la salle pendant quelques minutes, de la salle ou du web, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne vois pas forcément les lumières. J'ai pas l'impression, je ne vois pas de main qui se lève. Est-ce que peut-être une dernière question sur l'avenir de vos projets respectifs. Est-ce que vous êtes déjà dans des évolutions à venir, une nouvelle interface web? Est-ce que ça existe en appli, Marjolaine? Alors, non, ce projet-là n'existe pas en appli à cause de la taille des images. En fait, ça serait trop difficile à noter. Alors, ça demande beaucoup d'énergie, en fait, de tenir ces programmes. Nous, on évolue de plus en plus, on se rend compte que c'est les enfants qui notent le plus, en fait, et qui s'impliquent le plus. Donc là, on va un petit peu plus vers des collaborations avec les écoles et les classes, donc avec du contact direct. Voilà, donc pareil, on a développé des ressources pédagogiques pour les enfants de primaire, pour qu'ils puissent amener donc, ce programme dans les classes et découvrir un peu l'exploration des grands-fonds et pourquoi on fait tout ça. Et donc le futur, après, sinon, de l'interface en ligne, c'est vraiment cette idée d'obtenir ce jeu de référence. Donc un jour, peut-être faire tout boucle l'algorithme et les citoyens. Alors, redonner le nom peut-être quand même, site. Alors je le redis du coup, c'est donc Espion des grands fonds, donc c'est un projet Ifremer, et le site c'est deepseaspy.com. Isabelle, l'avenir ce programme? Oui, alors Plage Vivante, c'est vrai que c'est un programme qui a été lancé en final 3 ans. Enfin, on a deux ans de tests. Donc, il y a plein de développement. Et puis, ben, justement, ce qu'on disait, on continue à développer les outils aussi avec les enseignants, donc sur l'ensemble de ces séquences. Et puis, il y a 2 sites internet qui existent déjà. Donc, notamment, je n'ai pas précisé, mais ce programme, il fait partie d'un dispositif plus général qui est notamment porté par le Muséum national d'histoire naturelle, qui est Viginature. Et donc, il y a entre autres Viginature et et donc le volet pour les scolaires entre dedans. Et donc, évidemment, on travaille tous collectivement à améliorer les choses. Donc, voilà, je voudrais vraiment souligner que c'est vraiment un travail collaboratif, de co-construction avec plein d'acteurs. La Viginature, oui, c'est formidable. On travaille même sur les météorites ou le nombre de chauves-souris qu'il y a au Jardin des Plantes à Paris. Céline, l'avenir d'Objectif Plancton? On lutte encore quelques dizaines d'années, hein, de... Vie, évidemment, en fait, je pense que ça, c'est quand même un message important. On est sur de la science et la science, évidemment, on est sur des séries de données. Elles prennent de la valeur dans le temps. En fait, il faut que ça soit des projets sur du long terme. Donc, évidemment, il faut des financements pour ces projets. Ça, c'est vraiment essentiel
pour qu'ils puissent durer et pouvoir comprendre ce qui se passe finalement dans ces écosystèmes et pouvoir aussi échanger avec les acteurs des territoires qui sont concernés pour trouver des solutions pour préserver l'océan. Oui, le temps de la science, ce n'est pas le temps d'un tweet, hein, ça prend son temps. Alors, c'est la fin de cette deuxième table ronde. Merci beaucoup à nos invités. On était donc avec Céline Liré, qui est la directrice scientifique d'Océanopolis, Isabelle Leviol de la station marine de Concarneau, et Marjolaine Matabos, chercheur IFREMER. En visio, nous étions avec Laurent Chauveau de Puy Saint-Pierre et Miquelon, mais Laurent qui sera bientôt de retour à Brest, puisqu'il est directeur de recherche au CNRS, spécialiste d'écologie côtière au sein de l'Institut universitaire européen de la mer. Merci à tous et on se retrouve pour la dernière table ronde. Merci. Merci beaucoup. Alors, voilà, c'est la dernière table ronde. Hein. C'est déjà la dernière table ronde depuis le grand auditorium d'Océanopolis à Brest pour cet après-midi grand public dans le cadre du sommet One Ocean Summit. On a discuté de la diffusion des sciences depuis le début de cet après-midi. On a fait deux tables rondes que vous pourrez revoir sur la page YouTube d'Océanopolis. Et maintenant, on va parler de cette question de la diffusion des sciences, comment on touche le grand public, le public le plus large possible, en diffusant un message qui soit scientifiquement correct, parce que c'est ça aussi la problématique. Pour discuter de ces questions, je suis à Brest avec Marie Tabarly. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes navigatrice et vous êtes... la créatrice du projet élémentaire dont on parlait. Je suis aussi avec Agnès Parent. Bonjour Agnès. Bonjour, bonjour à tous. Alors Agnès, vous êtes présidente de l'AMSTI. On va pouvoir expliquer ce que c'est que l'AMSTI, cette réunion de lieux de science, de lieux de diffusion scientifique et culturelle. Et on est en visio avec Bruno Macquart. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, bonjour Bruno Macquart, vous êtes président d'Excite. Alors Excite, c'est le réseau européen des centres, musées et organisations de culture scientifique. C'est toujours difficile de faire toucher du doigt la réalité de ces lieux, derrière ces acronymes qui peuvent être un petit peu abscons. Pourtant, c'est du concret Excite, ça touche des millions de visiteurs tous les ans en Europe, Bruno Macquart. 40 millions de visiteurs avant la pandémie, bien sûr, puisque les deux dernières années que nous venons de vivre ont conduit de nombreux établissements à devoir fermer leurs portes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il y en a dans l'ensemble du territoire européen et évidemment dans le monde entier aussi. Et il y en a dans les grandes villes, mais il y en a aussi énormément dans les villes moyennes. Donc c'est un réseau très divers qui, comme celui de l'AMSTI en France, rassemble des muséums d'histoire naturelle, des musées de sciences, comme le musée des arts et métiers à Paris, ou bien qui rassemble encore des universités, des jardins botaniques, bref, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se préoccupent de faire se rencontrer la science et le grand public.
Alors, ça sert à quoi de se réunir, finalement, Bruno Macquart ? Écoutez, ça sert à quoi de se réunir ? C'est d'abord de se connaître, de partager les bonnes pratiques, de réfléchir ensemble au futur et à la meilleure manière de servir nos publics. Il est clair que nous partageons des valeurs communes en Europe, des valeurs liées à la science, à la recherche et au-delà de ça, au rapport entre la science et la société qui sont fondées sur des valeurs d'ouverture, d'inclusion, de transparence, de débat. Je crois que la science est et la recherche est une façon de faire mondiale, mais en Europe, elle trouve un écho particulier. Et vous savez que l'Union européenne, en particulier, finance activement, pour près de 100 milliards d'euros sur plusieurs années, la recherche en Europe et par ailleurs s'intéresse à la mise en relation des résultats de la recherche, du milieu de la recherche et du grand public. Agnès Parent, on pourrait dire que l'AMSTI est à la France ce que Excite est à l'Europe. Tout à fait. Donc Bruno a bien exprimé cette importance du réseau. Donc l'AMSTI, c'est le réseau français des professionnels de la culture scientifique, technique et industrielle, avec des acteurs également sur l'ensemble du territoire, dans les grandes villes, mais aussi dans ce qu'on peut appeler aussi les zones blanches de la culture et de la culture scientifique. Donc des acteurs variés qui ont soit des sites pour accueillir le public, les muséums, les centres de sciences, etc., mais qui également mènent des actions pour aller vers les publics, que ce soit vers le public scolaire, mais également vers d'autres publics à travers des festivals ou diverses actions. Marie-Thérèse Tabarly, vous-même, vous êtes à l'origine d'un projet qui s'appelle Élémentaire, qui est une initiative toujours vivace qui permet de toucher un public de jeunes pour porter, je vois vous faites l'amour, alors c'est peut-être pas forcément des jeunes, mais pour porter des messages comme ça à connotation scientifique et j'imagine très branché sur les problématiques d'environnement. Ouais, alors je fais un peu l'amour parce qu'on n'a pas de... Enfin, c'est toute l'équipe d'Élémentaire et moi, on va dire, on n'a pas du tout envie de se priver d'un public. Donc on va parler aux citadins, aux campagnards, aux jeunes vieux, aux hommes, aux femmes. Enfin, il y a un moment où on ne met pas du tout les gens dans une case. Donc, mais oui, après, pareil, on ne va pas parler que de science. Déjà, moi, je ne suis pas du tout scientifique, hein, je reste écuyère et marin, donc... Par contre, je peux donner la parole à des gens et je peux mettre des gens en relation pour apporter un savoir. Donc, on va parler essentiellement de problèmes de la Terre. Donc, il y a les humains dessus. Si on veut aborder le développement durable, on va parler forcément d'une partie environnementale, d'une partie humaine, d'une partie économique. Donc, on se retrouve à avoir des artistes, on a des sportifs, on a des scientifiques, on a eu des spationautes qu'on a mélangés avec des photographes sous-marins. Alors, je crois que les images qu'on voit là... Ouais, ça, c'était en 2018, c'était la première expé qu'on a fait au Groenland. Ouais. Là, on est au Groenland. Oui, au Groenland. Et donc, l'idée, c'est au gré des escales, ouais, de rencontrer les gens. Mais en fait, on décide d'une thématique. Par exemple, les Açores, la thématique, c'était complètement différent parce que... Comme le projet il évolue en même temps que moi j'évolue, je change un peu le projet au fur et à mesure. C'est-à-dire que le fond reste toujours le même, mais la forme a tendance à changer. Quoi. Donc il y a eu une première expé, donc la Groenland-Islande. Après, on a fait les Açores, où là, c'était beaucoup plus scientifique. La thématique, c'était l'exploration est-elle vectrice de progrès. Du coup, on pouvait aborder l'exploration maritime, l'exploration intérieure, l'exploration spatiale, le lien mer-espace, de pourquoi comment est-ce qu'on connaît les océans, c'est par l'espace. Enfin voilà, on avait vraiment de tout. Après, on a fait. Après, on s'est fait covider pendant un moment. Et oui, du coup, on a annulé beaucoup, beaucoup de choses. Et puis là, on a fait toute une série de spectacles, conférences, mais sur les îles bretonnes. Ça, c'était en 2020. On avait encore d'autres thématiques. On parlait du zéro carbone, du zéro vulnérabilité, de l'exclusion. On avait plein de choses. Mais. C'est important, je pense, pour moi. J'ai un bateau qui peut accueillir 14 personnes à son bord. Ça fait quand même pas mal de corps de métier différents que je peux mettre ensemble, en fait. Et je pense que tout doit être amené à se rencontrer. Et justement, c'est pour ça que je fais aussi un peu la moue par rapport à l'âge. C'est que parler à des gens qui sont déjà convaincus, ça ne m'intéresse pas. Alors que si je peux amener des gens qui sont, je sais pas, fans de Jan Tiersen, par exemple, à écouter des scientifiques, ou alors des fans d'espace, à rencontrer d'autres personnes,
là, c'est hyper agréable, quoi. Ce sont que des gens qui viennent à bord parce qu'ils ont une envie de partager. Une personne qui est payée pour venir à bord, quoi. Je veux dire, Nicolas Hulot était venu à bord, je lui ai pas fait un chèque en lui disant, on vient parler pendant... C'est juste... ils veulent transmettre, ils veulent donner, et puis voilà, c'est tout, c'est très simple en fait. Alors Agnès, un bateau, c'est un lieu atypique pour faire formidable et atypique pour faire de la transmission scientifique. On est plus habitué au musée, et ou pas. Mais en tout cas, vous avez amené des images de quelques opérations, quelques expositions qui ont été faites récemment et qui vous semblent particulièrement emblématiques des bonnes pratiques, quoi. Alors, la diversité des acteurs de l'AMSTI amène diversité de d'actions qui ont pour objectif justement de toucher un maximum de public, à la fois en quantité, parce qu'aujourd'hui il y a urgence, hein, et entre autres sur les questions liées à l'océan, mais également aussi en variété. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire de les toucher, évidemment, que ce soit au niveau des tranches d'âge, que ce soit au niveau du rapport à la science. Oui, donc là, on voit alors en ce moment... Qu'est-ce qu'on voit là, Agnès, là, un océan de promesses. Alors, c'est une exposition qui a eu lieu au muséum et qui, justement, par tous les échanges qu'il y a dans le réseau, va circuler aujourd'hui à l'étranger, mais également en France. Elle va être présentée à Nantes, qui se l'approprie, qui va la compléter à partir de juillet. Et elle circule sous des modes de petite forme à travers des associations dans le monde scolaire. Il y avait deux autres exemples que on a souhaité présenter, en sachant que évidemment hein, c'est un tout petit panel des actions qui peuvent être menées, mais entre autres, je ne sais pas si on peut voir la vidéo, l'action Génération Océan 2022 qui s'adresse aux scolaires et aux étudiants et qui a justement pour objectif de faire se rencontrer des scolaires et des c'est ce qu'on voit là, voilà, c'est ce qu'on voit là. Donc et là, il y en a deux qui se mélangent, mais c'est pas grave. Bon, comme on va les détricoter. Ça me permet aussi de parler de la deuxième action qui est menée par Oceanopolis, qui a vraiment une très très belle démarche aussi auprès du monde scolaire. Et là, c'est un projet qui s'appelle c'est Jeunes Reporters des Arts, des Sciences et de l'Environnement, et qui, par une approche artistique, en fait, évoque des sujets liés à l'océan. Donc, on voit qu'on, par rapport à ce qui était présenté en amont, l'ensemble des actions, qu'elles soient du côté de l'art-science, qu'elles soient du côté des sciences participatives, l'objectif aujourd'hui, évidemment, est de faire traditionnellement ce qu'on appelle la diffusion des connaissances, mais également aller vers plus d'échanges, plus de partage, pour aller vers de l'engagement. Donc aujourd'hui, voilà, dans le panel des actions, on va de choses très très simples, comme une exposition, enfin très simple, très complexe à mettre en œuvre, mais plus descendante, on va dire, comme une exposition, jusqu'à des projets qui sont extrêmement engageants. Et ceci également pour répondre, encore une fois, avec ce besoin d'aller toucher le maximum de personnes, mais aussi également un panel de publics variés. Parce que vous l'avez dit, les expos, elles voyagent en France, mais elles voyagent même à l'international. Enfin, je ne sais pas si avec le Covid, ça a été mis entre parenthèses, ça aussi, mais... Bon, ça a été plus compliqué, mais bien sûr, on fait un travail au niveau avec nos partenaires européens, à travers Excite également, hein, mais aussi à l'international, et ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est compliqué, c'est de faire voyager des collections aujourd'hui, mais, ouais. Mais ça va reprendre. À propos d'Excite, Bruno Macquart, il y a eu des projets hein, dans un temps pas trop ancien qui ont été menés spécifiquement autour de problématiques marines. Écoutez, ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'il y a des projets européens qui visent à créer, alors on parle en anglais de Blue Society, société bleue, de faire en sorte que la littératie maritime ou océanique se développe dans nos pays et dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'on puisse développer la compréhension de l'influence que nous avons, nos vies ont sur les océans et vice-versa. Et ça commence par des choses très simples, hein, puisque la moitié de l'oxygène de l'air, donc on va dire une inspiration sur deux, vient des océans grâce à l'action des phytoplanctons. L'idée, c'est quoi ? Où qu'on soit, que vous soyez à Lisbonne, à l'aquarium de Lisbonne, puisque vous savez que Lisbonne, en 1998, fait une exposition universelle sur le côté des océans, vous soyez à Paris, à Nancy, à La Rochelle, à Boulogne-sur-Mer avec Musicas, je prends des collègues français, sans évidemment oublier aussi Océanopolis, son aquarium et sa galerie 70.8, on pourrait y revenir. À chaque fois, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut que nos concitoyens
quel que soit leur niveau de connaissance, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge, puissent comprendre, parler de ce qu'ils ont vu, et puis agir. Agir, c'est important. Ce ne sont pas simplement des endroits où on donne de l'information, mais où nous donnons à nos publics des capacités à être par eux-mêmes des acteurs, s'ils le souhaitent, de leur propre vie, de nos vies collectives. On parle, c'est un mot québécois, mais qui est assez approprié, de capacitation des publics. Sur l'océan, ce qui est intéressant, c'est qu'un premier grand projet européen qui s'appelait Sea for Society, qui a été couru de 2012 à 2015 et qui a été coordonné d'ailleurs par Nausicaa, qui a associé près d'une trentaine d'acteurs de 12 pays différents, c'était un gros projet, a d'abord cherché à comprendre quels étaient les obstacles au développement de la littératie océanique. Et on s'est aperçu de choses très simples, c'est qu'en fait, le premier obstacle, c'était le manque de compréhension, de prise de conscience des enjeux liés à la mer. Et fondamentalement, ce n'était pas tant le manque de connaissances, mais le manque de compréhension des enjeux globaux. Et ce premier programme a permis, avec un système d'enquête et de panel variés, ben, ma foi, de mettre le doigt sur les domaines dans lesquels il fallait agir. Un petit exemple. Par exemple, sur l'océan comme source de nourriture, les Européens qui avaient été consultés disaient qu'il faut mieux sensibiliser les consommateurs à la surpêche, par exemple. On ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. Un deuxième sujet qui était peu clair, c'était comment est-ce que les océans peuvent avoir un rôle thérapeutique et contribuer à la santé des Européens. Donc ce programme, évidemment, a eu des prolongements puisqu'il a eu un successeur qui s'appelle Sea Change, qui a pris le relais de 2015 à 2018, qui là a été coordonné par des collègues britanniques et qui a poussé le bouchon un cran plus loin puisque l'idée, c'est vraiment d'inciter les Européens à agir puisque si on veut sauvegarder les océans, il ne faut pas simplement en admirer la beauté, mais il faut aussi mettre ses bottes et se retrousser les manches. Est-ce qu'on est dans la décennie des océans hein, qui a été décidée par l'ONU pendant la récente COP de 2015 en France? Je crois que les océans étaient quand même assez peu présents des délibérations. On a l'impression qu'il y a un changement de perception quand même du rôle des océans pour nous tous, hein, habitants de la planète. Marie Tavarly, est-ce que vous trouvez qu'il y a ce changement de perception? Il est tangible de la part du grand public. Il y a un rapport différent à l'océan qui s'opère à l'heure actuelle. Bon, je pense que la prise de conscience est générale, que ce soit sur l'océan, l'état de la planète en général. Quoi. Après, il y a des gens qui ont peut-être plus d'anité avec la campagne, d'autres avec la forêt, d'autres avec l'océan. Mais heureusement qu'avec tout ce qu'on fait comme sensibilisation, les gens soient un peu plus concernés. Ça commence à imprimer. Oui, bah heureusement, parce que si c'est l'inverse, mon perso... Mais ouais, il y a de plus en plus d'initiatives. Maintenant, il faudrait que les océans soient bien reconnus, bien communs de l'humanité. Il y a Catherine Chabot qui travaille beaucoup pour ça. Parce que du coup, comme ils appartiennent à personne, bah, ils appartiennent un peu à tout le monde. Et s'il y a un moment, il va falloir quand même mettre un minimum de règles pour les eaux internationales. Donc ouais, je peux pas répondre par la négative à ça. Hein. Agnès, est-ce que le moment particulier dans lequel on est là, avec la... On ne peut pas encore parler de sortie de pandémie, hein, puisqu'il y est quand même jusqu'au cou, mais est-ce que ça a changé un peu le lien que les lieux de science, comme ceux qu'on trouve à l'intérieur de l'AMSTI, ce lien qu'il a avec le public? On a l'impression que la nécessité de ces lieux est encore plus importante aujourd'hui. Là, on sort un peu de considérations purement liées à la mer et aux océans, mais ces lieux, leur besoin devient encore plus nécessaire, non? Ah bah, c'est fondamental. Et un des rôles de l'AMSTI, évidemment, c'est de montrer l'importance aujourd'hui de la culture scientifique, technique et industrielle, son rôle, et comment il faudrait la soutenir, que les candidats, par exemple, à la présidentielle, parlent de science et de culture scientifique, parce qu'aujourd'hui, pour comprendre le monde, pour accompagner l'ensemble des concitoyens, dans ces transformations environnementales, sociétales, économiques que nous sommes en train de vivre, bah, c'est fondamental d'avoir les clés pour comprendre. Et je crois que l'ensemble des acteurs aussi travaillent beaucoup à développer l'esprit critique.
C'est-à-dire donner, il faut donner le goût des sciences, d'accord ? Il faut engager et il faut aussi expliquer ce qu'on a dit tout à l'heure, la méthode, la démarche scientifique pour donner les clés. Aussi pour que l'ensemble des, voilà, des Français puissent comprendre et se repérer dans ce qu'on appelle, je prends l'expression de Bruno Macquart, le maquis informationnel, entre autres, qui est sur nos, à travers les réseaux sociaux. Donc ça, c'est important. Donc les réseaux, on a vu aussi tout le lien très fort qu'on avait avec nos publics, parce qu'on les rencontre, on les croise dans nos actions, dans nos médiations. Donc l'idée du réseau, c'est aussi d'échanger, de faire ces remontées d'échanges avec le public. On a été très malheureux quand on n'a pas eu de public pendant un certain nombre de mois. Et on s'est beaucoup posé la question. Je pense que ça a renforcé cette notion de réseau et comment travailler tous ensemble, que ce soit l'ensemble des acteurs, les musées, les sciences, les associations, les porteurs de projets de sciences participatives, les acteurs de la science, etc. Comment tous travailler ensemble, justement, pour porter plus haut, plus fort, justement, cette culture scientifique et sur les sujets des océans. Mais évidemment, ça évolue beaucoup. Et si je peux dire encore une toute petite chose, je pense qu'aujourd'hui, la perception de l'infiniment petit, de l'invisible, du plancton dont nous avons parlé, des algues, qui n'étaient pas très glamour pour le public, où on parlait d'ours polaires, de grands cétacés, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience de toute cette biodiversité moins visible, inconnue, donc qui permet d'expliquer aussi l'écosystème qui commence à passer dans le grand public. Et ça, c'est vraiment, vraiment, je trouve, très important et très intéressant. Bon, l'heure tourne, donc peut-être dernière réaction de la part de Bruno Macquart sur ce qui vient d'être dit, et notamment cette nécessité de développer un esprit critique de la part du grand public. J'imagine que c'est quand même un diagnostic sur lequel vous êtes d'accord. Mais bien sûr, on est plus que d'accord, puisqu'on est des acteurs du développement d'esprit critique. Je crois que nos métiers, c'est de mettre en scène et en relation la connaissance avec la société, le grand public. Mais c'est aussi d'expliquer comment on la produit, la connaissance. Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait ? C'est important, parce que la science est une démarche qui répond à une méthodologie particulière, qui est une méthodologie collective, faite d'essais-erreurs, où l'autorité n'a pas de place. C'est la contradiction qui doit être reine. Et puis en aval, on va regarder aussi comment la connaissance influe sur nos vies et quel impact elle a sur nos sociétés, sur nos économies, sur le développement individuel et collectif. Donc oui, l'esprit critique, il est important. Mais je vais revenir à la question que vous posiez précédemment, juste pour mentionner le fait que dans son programme de financement de la recherche, donc sur 2021-2027, la Commission européenne a ciblé 5 thématiques, 5 grands défis qui s'adressent à nos sociétés et pour lesquels elle met de l'argent et elle mobilise à la fois évidemment le milieu de la recherche, mais aussi au-delà de ça, les acteurs que nous sommes. Et bien dans les 5, il y a les océans, il y a la santé des océans. Donc cette prise de conscience, elle est aujourd'hui plus importante qu'il y a quelques années. Et on ne peut que saluer le fait que sur ce sujet, peut-être moins connu ou moins traité d'ailleurs par nos établissements, et bien nous puissions démultiplier nos efforts pour arriver à nos buts collectifs. Bon, ben c'est sur cette note... Pardon, Bruno Macquart, je vous ai coupé. Pas du tout. Bon, c'est sur cette note d'optimisme qu'on va terminer sur cette table ronde et sur l'après-midi qu'on vient de passer ensemble. C'est Bruno David, président du Muséum national d'histoire naturelle, qui va dire le mot de conclusion à cet après-midi et qui, ça va vraiment être le moment ensuite de se dire au revoir. Mais en tout cas, je remercie les invités de cette dernière échange. J'étais avec Anis, qui est donc la présidente de l'AMSTI. J'étais avec Marie Barly, navigatrice et créatrice du projet Élémentaire, et Bruno Macquart, qui dirige Excite, le réseau européen des centres, musées et organisations de culture scientifique. Merci à tous. Et maintenant, la parole est à Bruno David, président du Muséum national d'histoire naturelle. Merci de me permettre cette conclusion. Avant de remercier évidemment tous les participants à cette table ronde et puis vous remercier d'être restés également, je vais peut-être vous raconter quelques histoires parce qu'avant d'être président du muséum, j'ai été chercheur au CNRS pendant de nombreuses années et il se trouve que je travaillais en biologie marine. Donc j'ai des histoires sur l'océan. Ce qu'on ne sait pas, c'est que l'océan, d'abord, il est très mal connu. Pourquoi ? Parce que l'océan, on voit une surface et on ne sait pas trop ce qu'il y a dessous. La profondeur moyenne de l'océan, c'est 3700 mètres. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on a quand on est sur le littoral, même pour aller regarder les algues, Isabelle.
C'est ça la profondeur moyenne de l'océan. L'océan, on dit souvent, c'est 70% de la surface de la planète. Alors ça, déjà, ça nous impressionne. Et moi, j'ai tendance à rajouter, oui, mais c'est 96% du volume offert à la vie sur Terre, parce que la vie occupe toute la profondeur de l'océan, alors que sur les continents, même si les continents sont cabossés, la vie, elle occupe une toute petite pellicule. Donc la vie des continents, l'espace offert à la vie sur les continents, c'est 4%. Dans l'océan, c'est 96%. Et comme nous sommes des animaux continentaux, bon, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces 96%. Enfin, on le sait un peu quand même, hein. Il y a de la recherche qui se fait, mais on le sait finalement pas si bien que ça. Donc il faut explorer l'océan. Pour explorer l'océan, il faut surmonter des contraintes. On en a parlé avec les zones abyssales, les zones profondes. Ce n'est pas simple. Et là, on trouve une biodiversité totalement insoupçonnable, totalement bizarre. On a vu des images de l'Antarctique. J'ai eu la chance de plonger en Antarctique. Donc évidemment, j'ai reconnu ces fonds antarctiques. Et on découvre sans arrêt des choses exceptionnelles dans l'océan. Et en même temps, on découvre qu'on y exerce des pressions, qui sont des pressions quand même assez considérables. Et là, je ne peux pas résister au plaisir de... Enfin, ce n'est pas vraiment un plaisir, d'ailleurs, de vous raconter une anecdote très personnelle. Il se trouve que j'ai aussi eu la chance de plonger avec le Nautil, ce sous-marin jaune de l'Ifremer. Et j'ai plongé au large du Pérou, dans un secteur où il n'y a pas d'émissaire fluviatile, il n'y a pas de grande ville, il n'y a rien de spécial. C'est relativement désertique comme cette partie du continent. On était au large, à l'endroit où la plaque Nazca plonge sous la plaque Amérique du Sud. Donc, on est sur une zone de tectonique des plaques. Ça veut dire qu'il y a une géologie un petit peu intense, il y a des remontées de fluides, alors qui ne sont pas des fluides chauds au sens de ceux qu'on peut voir sur les sources hydrothermales, qui sont un petit peu plus frais, mais enfin quand même nettement plus chauds que le fond de l'océan. Il y a toute une vie qui se développe là-dessus. C'est absolument magnifique. J'ai plongé à 2500 mètres. Je peux vous dire que c'est une expérience assez incroyable. Et puis au bout, c'était il y a une vingtaine d'années, et au bout quand même de quelques minutes ou dizaines de minutes de plongée, je ne me souviens plus, on est tombé sur un seau en plastique quand même, alors qu'on était au milieu de nulle part et que c'était déjà il y a 20 ans, en gros. Ça m'a marqué, j'ai vraiment l'image de ce seau encore en tête, et ça veut vraiment dire qu'on a mis des cochonneries partout, hein, excusez-moi du langage un petit peu familier. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de protection des océans, et quand on protège les océans, on protège la planète dans son ensemble. Parce que l'océan, il est à l'origine des grands cycles biogéochimiques, il est à l'origine des grands cycles qui nous régulent le climat, qui nous régulent tout court. Tout à l'heure, je crois que c'est Bruno Macquart qui a dit qu'on devait au plancton océanique une respiration sur deux. Je vais me permettre de le corriger un petit peu. Évidemment, avec grand plaisir. Je ne sais pas s'il est parti ou s'il est encore là. Dans le cycle de l'oxygène, l'océan produit de la moitié de l'oxygène de la planète. C'est vrai, mais il y a une partie de l'oxygène qui est produit dans l'océan, qui est recyclé dans l'océan, qui est réutilisé par l'océan. Donc on ne respire pas directement l'oxygène qui est produit par le plancton. Bon, ceci dit, c'était un petit clin d'œil que je voulais faire auprès de Bruno Macquart. Mais si on veut que les générations futures puissent continuer de bénéficier de l'océan, il faut qu'on s'en occupe. C'est notre devoir de le préserver. Et dans ce domaine, il y a un gros handicap. Ça a été évoqué ce matin quand on était au Capucin. Le handicap, c'est qu'il y a la haute mer, et que la haute mer, c'est à tout le monde et à personne. Et que le fond de l'océan, et notamment l'océan profond, on l'a vu, c'est aussi à tout le monde et à personne. Et on sait très bien, à la fin du Moyen-Âge, il y a eu la tragédie des communs en Angleterre, où il y avait des forêts qui étaient laissées à tout le monde. Et il y a eu après une augmentation démographique, ce qui a fait que tout le monde s'est précipité sur ces forêts. Et il y a eu une surexploitation des forêts qui a fait que ça s'est effondré. Et puis ensuite, les Anglais ont pris des mesures pour réguler tout ça, évidemment au détriment d'une grande partie de la population et à l'avantage de quelques-uns. Ça, c'est un autre sujet. Et la haute mer, ça pourrait être un petit peu ça. Et ça me ferait beaucoup de peine qu'il n'y ait pas suffisamment de régulation politique, parce qu'il s'agit bien de régulation politique pour la haute mer et pour l'océan profond, qui fasse qu'on se retrouve face à une nouvelle tragédie des communs, mais cette fois à l'échelle de la planète, pour l'océan auquel on doit tant. Alors tout ça, ça peut, quand on se rapproche du littoral, ça ne peut pas se faire sans lien avec les populations. La première table ronde nous l'a montré avec les Marquises, les Inuits au Groenland, le Bénin ou la Nouvelle-Calédonie. Donc on voit bien que tout est lié, que les populations locales directement impactées sur les littoraux, parce qu'au passage, il y a 60% de la population mondiale qui habite à moins de 100 km de la mer. Donc on voit bien la pression qu'on exerce sur les littoraux, par notre présence aussi. Les scientifiques parlent même de nouveaux biomes. Un biome, c'est une entité, une grande entité écologique. Il y a un biome, par exemple, pour les récifs coralliens. Il y a un biome pour la forêt tropicale. Il y a un biome pour la savane. Et on parle de biome littoral parce qu'il y a une telle emprise anthropique que ça a amené à forger ce concept. Donc voilà un petit peu ce que je voulais raconter sur la partie scientifique. Maintenant, je voudrais remercier bien sûr tous les participants.
Je rappelle aussi l'engagement du Muséum national d'histoire naturelle sur la thématique de l'océan à travers ses stations marines, dont une, Concarneau, était très bien représentée aujourd'hui, l'autre est à Dinard. Donc nous avons deux stations marines en Bretagne. Et puis le Muséum, bien sûr, c'est de la production de connaissances, c'est de la diffusion de connaissances auprès des grands publics. Ça a été montré à travers les images que vous avez pu avoir de l'exposition Océan. Et c'est pour ça que le Muséum est présent dans ces quelques jours du One Ocean Summit. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce sommet ? Alors déjà, moi je me dis toujours, je suis toujours assez optimiste aussi, je ne sais plus qui disait tout à l'heure qui était optimiste, je suis toujours assez optimiste parce que je me dis, un sommet consacré à l'océan, il y a 10 ans, on n'y aurait pas pensé. Il y a 5 ans, on n'y aurait pas pensé. Maintenant, on le fait. Donc, il y a quand même un début de prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience. Ça a été dit aussi sur le microscopique. Il y a quand même, on se rend compte qu'on dépasse simplement les baleines et les dauphins. Il y a une prise de conscience sur le rôle de l'océan, sur l'importance que ça représente. Et je me dis, bon, un sommet comme ça, c'est peut-être quand même une façon de faire prendre conscience à un certain nombre de personnes qui ont des pouvoirs importants, qu'il faut se préoccuper de l'océan. Je ne sais pas à quel moment ça va se traduire en acte, mais en tout cas, il y a une prise de conscience. Puis ça nourrit, on voit bien qu'il y a une communauté océan, qu'il y a toute une série de gens qui sont intéressés par l'océan, qui créent cette communauté, qui est une communauté intéressante. Et une des propositions ce matin, c'est de faire pour l'océan l'équivalent de ce qu'on a pour le climat, c'est-à-dire le GIEC, et puis de ce qu'on a pour la biodiversité, qui s'appelle maintenant l'IPBES. C'est de faire l'équivalent pour l'océan, parce que dans l'océan, l'océan est tellement particulier, il est tellement loin de nous, qu'on sent qu'il y a besoin de faire quelque chose de particulier. J'espère que cette proposition pourra prospérer. Donc je me réjouis que la protection des océans soit à l'agenda politique. Et puis, au-delà de ça, c'est bien d'en parler. Merci d'être venu, merci d'être resté. La devise du Muséum, c'est émerveillé pour instruire. J'espère que les images qui ont été derrière vous vous ont émerveillé et que les discours qui ont été tenus vous ont instruit. Et puis vraiment, pour conclure, je voudrais remercier chaleureusement d'abord la directrice d'Océanopolis qui nous accueille, Nathalie Perron-Lecor, la directrice scientifique, Céline Liret, qui a participé à une table ronde, les chargés de projets scientifiques et culturels, Marine Lemoel, toutes les équipes d'Océanopolis qui nous accueillent, et c'est quand même grâce à Océanopolis qu'on est là cet après-midi. Puis bien sûr, je ne pourrais pas ne pas saluer les équipes du Muséum qui se sont impliquées, en particulier Nadia Méziane qui est présente, la directrice, la chef de la station marine de Concarneau, qui a été soutenue notamment par d'autres équipes du Muséum, notamment la direction de la communication. Je termine avec Olivier Lascar. Merci de nous avoir accompagnés, merci d'avoir animé ces tables rondes avec talent, avec pédagogie, en respectant l'horaire, il est 16h02, donc je devrais m'arrêter là, et je vous remercie toutes et tous pour votre attention.